Sœur Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur, infiniment merveilleux, magnificent, revêtu de gloire, de magnificence, d'excellence, le seul digne de révérence. C'est par lui, mes frères et sœurs, que nous vous recevons en ce grand jour de l'an de grâce 2017. Nous sommes précisément le vendredi 26 mai 2017 à Yaoundé, au Cameroun, où nous séjournons. C'est un grand jour, mes frères et sœurs. Nous allons faire ce témoignage pour la gloire de Dieu. Et voilà un témoignage d'un homme qui a été transformé par la parole de Dieu. C'est un grand témoignage, le témoignage de Martin, qui était un escroc international. Vous appelez ici au Cameroun un féman. Donc, c'est un témoignage de quelqu'un qui était un grand bandit international, un escroc international qui avait même des armes, et qui était un braqueur avec des armes, et qui a même brûlé ses armes. Et d'ailleurs, on va vous montrer une vidéo tout à l'heure, comment Martin est en train de brûler son pistolet, ses armes, etc. Donc, c'était un grand bandit international, et c'est vraiment une très, très grande joie. Mais faut de ça d'avoir ce témoignage. C'est depuis un an que nous voulons témoigner. C'est depuis un an que nous voulons témoigner. Et aujourd'hui, nous allons témoigner pour la gloire de Dieu. Alors, avant de témoigner, mes frères et sœurs, j'aimerais vous amener dans l'Écriture. L'Écriture d'aujourd'hui, c'est Timothée. 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée. Nous irons dans la parole de Dieu pour vous montrer les conséquences de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons fait une émission depuis Houston au Texas, une émission sur le contentement, où nous enseignons comment un homme qui craint Dieu, un véritable disciple de Jésus-Christ, doit cultiver le contentement. Donc, mes frères et sœurs, avant toute chose, avant d'écouter ce grand témoignage qui m'a fendu le cœur, et d'ailleurs, ça fait un an qu'on voulait faire ce témoignage par Skype depuis Houston, depuis le studio à Houston, et j'ai dit à... On a essayé une fois, la connexion n'a pas marché depuis le Cameroun et Martin, en passant, a fait le déplacement depuis Douala. Martin ne reste pas à Yaoundé, il reste à Douala. Donc, il a fait le déplacement depuis Douala pour partager ce témoignage. Il y a aussi d'autres sœurs qui ont fait le déplacement. Il y a par exemple la sœur Angèle qui est dans les coulisses, qui d'ailleurs vous salue. Elle a fait le déplacement depuis Paris en France. Angèle est à Champigny-sur-Marne dans la région parisienne, la région parisienne au 94, et d'ailleurs il y a une église qui se tient dans la maison d'Angèle. Alors, nous avons fait une émission où nous mettions les chrétiens en garde contre l'amour de l'argent, et mes frères et sœurs, ce témoignage, je ne sais même pas par où commencer, plus Dieu lui-même nous guider afin d'édifier le peuple de Dieu, parce que le but du témoignage est double. Un, d'abord, le but du témoignage est même triple. Premier but, nous rendons grâce à Dieu, à Dieu, l'infini grandeur de la puissance de Dieu. Deuxième but du témoignage, exposer le diable. En fait, nous livrons le diable à spectacle, les œuvres. Et le troisième but, qui est non moins important, c'est que nous édifions le peuple de Dieu, parce que quelqu'un, en suivant ton témoignage, peut être édifié. Donc, c'est une très, très grande joie. C'est un privilège, mes frères et sœurs, de partager ce témoignage. Alors, avant de partager ce témoignage, je vous prie de tourner vos Bibles dans 1 Timothée chapitre 6, cette grande écriture. Et d'ailleurs, 1 Timothée chapitre 6, et comme je vous disais, il y a quelques jours, nous avons enseigné sur l'amour de l'argent. Alors, donc, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul, parlant à Timothée, dit ceci: « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines,
et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est dans son orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses. Et le verset continue en disant, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie. Notez très bien l'envie. Et ce témoignage aujourd'hui, c'est les résultats négatifs, les conséquences de l'envie. Parce que si quelqu'un prend la voie de l'égarement tel que escroque, vole, détourne l'argent comme les fonctionnaires le font, ou fait la corruption, c'est l'envie. Parce qu'il envie, il a vu des gens avec des belles maisons, des belles voitures, des belles fringues. Donc, il va envier. Donc, l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La piété est une source de gain. Et là, Paul parlant à Timothée, est en train de s'attaquer au faux pasteur qui utilise la piété ou la recherche de la piété pour faire de l'argent, pour s'enrichir. Ils vendent les prières, ils vendent les bénédictions, ils vendent tout. Ils vous disent, s'aimer pour être riche. En fait, ce n'est pas le sujet de l'enseignement aujourd'hui, c'était une parenthèse. Donc, le verset se dit ceci, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc le contentement. Et voilà un frère qui, ne connaissant pas la parole de Dieu, a eu le cœur rempli d'envie, rempli de l'amour du monde. Et Jean chapitre 1 dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu. Alors, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien emporté, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Le roi Salomon, l'Ecclésiaste, dit dans le livre d'Ecclésiaste que nu tu es sorti du ventre de ta mère, nu tu retournes dans le sein de la terre. Donc nu tu viens sur terre. Donc beaucoup de gens veulent s'enrichir et en s'enrichissant, voyez ce que le verset dit. Donc verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais regardez le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux et insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Donc voilà un frère qui est aujourd'hui un frère en Christ qui a été presque plongé dans la ruine et la perdition en route pour l'enfer parce que son cœur a été rempli par l'amour de l'argent, par la séduction des richesses, la séduction de la gloire, l'envie de vouloir s'enrichir. Et il a dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est le sujet de ce témoignage, l'envie de s'enrichir qui nous amène dans la tentation, dans le piège. Il y a un piège, le frère va montrer ce piège en détail. Dans le piège, les désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous terminons avec le verset 10 avant de passer la parole à Martin. Le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les tourments. Je lis le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Donc voilà un frère qui a été possédé par l'amour de l'argent au point de faire des choses telles que le braquage, amarrer, l'escroquerie, la fausse monnaie, et toutes les choses diaboliques. Et voilà comment le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré. Et vous allez être estomaqué, ahuri, stupéfait de voir dans quelles conditions ce frère a reçu l'évangile. Je dirais même que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a porté l'évangile dans cet endroit. Lui-même, il va vous dire, je ne m'aimerais pas anticiper, mes frères et sœurs. Calmez-vous, vous allez recevoir le témoignage. Mais vous aimez tellement le témoignage que vous n'aimez pas la Bible. C'est pour ça que je vous amène d'abord dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Donc, voilà, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. Donc voilà, après cette introduction biblique, nous allons passer la parole à Martin pour se présenter et commencer son témoignage. Amen. Je salue le peuple de Dieu et je rends déjà d'abord premièrement gloire à Dieu.
parce que je sais, je suis conscient d'où il m'a enlevé. Et comme le frère l'a ainsi dit, je sors de très loin. Par le passé, nous avons un très grand piège de Satan qui concerne l'amour de l'argent. Et c'est cet amour de l'argent qui nous conduit aussi facilement à l'impudicité et tous les restes de l'orgueil et tout. Alors, je vais revenir déjà dans mon enfance pour ne pas oublier. Ou je peux même parler d'un démon impudique, le démon de l'impudicité. Et je reviens là pour donner des conseils aux couples, aux parents qui ont des enfants et qui sont religieux, croyant être chrétiens. Sans Jésus-Christ, on est tout droit dans la perdition, avec toute notre maison, toute la maison. Alors, je me rappelle quand nous étions petits, je n'avais que 6 ans. 5 ans, 6 ans. Ma mère était chante à l'église protestante. Mon père, lui, il était catholique. Nous nous rappelons bien, chaque dimanche, ma mère nous amenait à l'église. Mais malheureusement, ce n'était que des religieux. Parce que je ne sais d'où vient qu'à chaque nuit où nous dormions, je pouvais me mettre à fouiller les parties intimes. Imaginez-vous, un garçon de 6 ans, un enfant, mais pendant que son aîné est en train de dormir, je me mets à fouiller les parties intimes de ma grande sœur. Alors qu'on croyait être chrétien et tous les dimanches, on était derrière maman. Alors donc, je reviens déjà pour dire aux parents qui ne sont pas, mais qui croient plutôt être chrétiens, il y a un très grand danger, même dans vos maisons. Regardez, contrôlez vos enfants, enseignez vos enfants, déjà vous-même devenez chrétien pour enseigner la voie de Dieu à vos enfants. Voilà déjà le premier cas où je peux déjà mettre ça comme mon premier péché, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et je peux même déjà parler même du vol, parce que c'est à cet âge que je pouvais déjà voler l'argent de ma mère. Croyant très bien que entre parents et enfants, il n'y a pas vol. Quand la Bible nous enseigne que celui qui vole son père et qui dit qu'il n'a pas volé est compagnon du destructeur. Le destructeur qui est l'un des noms de Satan, qui n'est rien d'autre que Satan. Alors, après mes études secondaires... Et je te coupe à la parole, ça se passe dans quelle ville Plus précisément à Douala. À Douala, toujours à Douala, effectivement. Oui. Quartier Nebel. Nebel, il semble que c'est un quartier mal famé au Cameroun en passant. Le quartier le plus dangereux même du Cameroun. Le quartier le plus dangereux du Cameroun. Du Cameroun, okay. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Oui. Mmh. Et je souhaiterais déjà même que Dieu, vraiment, par cette vidéo, permet. J'ai beaucoup d'amis qui sont encore avec qui nous avons commencé, qui sont encore dans des agressions. Ouais, dans le braquage. Tant bien beaucoup sont morts, mais il y en a encore qui sont là, qui traînent là aujourd'hui. Alors, tout a commencé après mes études, quand je décide de ne plus fréquenter. J'étais en classe de 5e. Je prends la décision de ne plus fréquenter dans le but de me faire de l'argent pour pouvoir aider aussi ma maman. Ouais. Alors, là où je fréquentais, la secondaire, c'était à Bafang, c'était pas à Douala. Je prends donc la décision, je rentre dans ce Douala. Ouais. Ce Douala, je commence à dormir dans une salle de vidéoclub. Ouais. Voilà, c'est-à-dire pas dans une maison, une salle de vidéoclub. Ouais. Et c'est dans la nuit que nous sortions déjà pour aller faire des agressions. Et sais-tu avec quel âge à l'époque, Martin? Je pouvais avoir 17 ans. 17 ans, donc on peut dire un enfant, un adolescent, oui, un jeune enfant. Oui. Si j'avais 17 ans, je sortais déjà avec des amis. Il y a beaucoup qui ne sont plus. Et voilà pourquoi je m'alarme parfois le fait de revoir ce que Dieu, vraiment la grâce que Dieu m'a accordée. Voilà. Parce que la plupart de mes amis, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Je me souviens de mon frère ami Yves, avec qui je dormais sur le même lit. Toujours à Douala. À Douala. On louait une chambre. Il est mort de l'agression, c'est-à-dire qu'il a été brûlé.
Donc, on l'a, il est allé voler. Oui. Et on l'a... Ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Et on l'a brûlé. On l'a brûlé. C'était à quelle année? Enfin, tu avais quel âge à l'époque? Je pouvais avoir déjà 20 ans. 20 ans. Donc, voilà. OK. OK. Alors, voilà l'époque où tout a commencé. Nous étions les premiers, je peux dire les premiers agresseurs pour prendre le téléphone aux femmes. Donc vous agressez les femmes pour leur prendre le téléphone? Le téléphone, femme comme homme. Femme comme homme. Quand le téléphone venait de sortir, d'arriver au Cameroun, on avait notre tactique, c'est-à-dire on file quelqu'un dans la voiture. On te file que tu sois homme ou quoi, jusqu'au point où que ça soit dans un embouteillage ou n'importe où. Ouais. On t'agresse et on prend ton téléphone, voilà. Comme ça. Mmh. Ils nous sont partis. Tout à fait. Alors, bien après, voilà un peu comment je vivais et tout mon temps. Et avant de continuer, je vais vous dire que il n'y a aucun péché que Dieu ne peut effacer. La Bible nous déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà déjà quelques mots de ce témoignage et vous pouvez vous rendre compte comment il n'y a aucun péché que Dieu ne peut effacer par le sang de Jésus-Christ. C'est par le meurtre sûr de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Son sang a coulé pour nous nettoyer de tout péché. Donc voilà comment un frère a fait des choses terribles. Ce n'est que le début, mais je vous donne déjà la référence biblique et nous rendons grâce à Dieu, à savoir que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la Bible dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement affranchi. Donc voilà un frère qui a été complètement affranchi du péché. Et nous parlions justement de l'amour de l'argent. Quelques temps, quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien des tourments. Continue, frère Martin. Amen, merci. Donc, voilà un peu comment était ma vie. C'est-à-dire, nous étions des veilleurs de nuit, notre jour était la nuit et notre nuit était le jour. Alors, au point où toute la famille, parce que ma maman avait l'habitude de me dire, elle ne sait plus quoi faire. Elle sait qu'un jour, on viendra lui dire qu'on m'a brûlé. Et quand elle parlait, je reprenais ma mère sévèrement. Je lui disais... Donc, tu manquais du respect. Oui, je manquais du respect, sévèrement. Ouais. Je dis, je fais ça pour toi. Voilà la pensée que j'avais. Si tu attends que je vais mourir, ça ne m'arrivera pas. Et tu parles de la mère, oui. Et où était le père? Et en commençant, papa, comme papa, lui, il était polygame, et avant tout, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions dans une maison où papa avait 5 femmes. Il avait 5 femmes, voilà. Et comme vous connaissez... Dans un foyer où un papa est polygame, c'est la jungle. C'est la jungle, effectivement. Non, il y a la sorcellerie, oui. Il y a l'impudicité, il y a tout un tas d'abominations. Voilà, donc, au point où il y a eu déjà mon premier grand frère qui a été empoisonné par sa dernière femme. Ok. À partir de ce moment, il y a eu tout un trouble dans la maison. Est-ce qu'il y a des preuves de cet empoisonnement? Il y a des bien, c'est des choses qu'on raconte comme cela. Bah, en effet, il a vomi. Il a vomi. Ok. Et okay, voilà, d'accord. Il a vomi le poison. Ok. Voilà. Et au point où il y a eu trouble, elle a fui. Elle a fui. Et quand elle a fui, papa a préféré la suivre. Et il a même dit ouvertement qu'il préfère sa femme que tous ses enfants. Ouais. Bah, il nous a abandonnés. Et il est allé par derrière donner la maison, je ne sais pas. À l'un de ses amis qui, avec problème d'argent, avait lui. Il lui a dit, bon, ok, je te laisse ma maison, va faire ce que tu veux. Nous sommes restés à l'époque, j'avais peut-être, c'était en 94. Oui, 94, j'avais, oui. Je pouvais avoir 12 ans, 12 ans, 13 ans. C'est là où on nous a expulsés de la maison, on n'avait plus de maison. Voilà. Voilà pourquoi je me retrouve dans la rue. Voilà. Voilà. Donc, revenons sur la maman, donc tu lui dis que c'est pour elle que tu fais, c'est l'amour, tu pensais qu'en fait... Tu étais prêt à tout faire pour l'amour que tu as pour ta maman. Tout à fait. Ouais. Alors, donc, voilà comment fonctionnaire et les agressions, les viols, au point où, comment je peux dire, tellement j'étais influent. Nous étions même en fait très influents dans les rues de Nebel. C'est-à-dire,
là où on était des veilleurs de nuit, c'est un endroit où les prostituées venaient verser des prostituées. Ouais. Et on était en même temps comme un peu comme ça se passe même dans les grands pays, comme aux États-Unis, mm-hmm. où il y a des gangs. C'est-à-dire on pouvait taxer en même temps les prostituées et faire d'elles ce que nous. Donc, vous contrôliez les prostituées. Les prostituées. En fait, donc, c'était en fait du proxénétisme. Oui. Donc, vous étiez ce qu'on appelle en anglais, en anglo-américain, pimp. Voilà. Pimp, ça veut dire que vous aviez des prostituées, que vous. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est-à-dire, ouais. je pouvais faire d'elles ce que je veux. Si je veux qu'elles sortent, elles sortent. Si je ne veux pas aller, elles doivent, je pouvais l'interdire de ne plus jamais mettre pied. Et s'il y a une. Excuse-moi, s'il y a donc une de ces prostituées qui, par hasard, écoute cette vidéo et est encore dans ce monde, dans ce domaine, nous vous invitons, on dit venez à Jésus-Christ. Dieu peut vous sortir de cette situation. Venez à Jésus-Christ, sortez de cette situation. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, la mort, la mort. Ça veut dire que si vous prenez la voie du péché, vous allez mourir. Et non seulement vous allez mourir, mais ce n'est pas une simple mort, c'est l'enfer éternel. Ça veut dire que vous serez en train de brûler éternellement en enfer. Alors, avant de continuer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'aimerais vraiment qu'on soit dans le cadre du témoignage. C'est en même temps que c'est un témoignage, nous lançons un appel à tous ceux qui sont encore dans la fémania. En fait, outre que c'est un témoignage, c'est aussi un moyen d'évangéliser tous ceux qui sont encore dans la fémania. Et les Camerounais savent ce que c'est la fémania, la fausse monnaie, l'escroquerie internationale. Alors quand on dit escroquerie internationale, c'est au haut niveau, avec même les ministres de l'autre pays, les chefs d'État, et d'ailleurs tu vas nous donner certains détails. Et c'est vraiment des choses terribles. L'escroquerie, et d'ailleurs il y a eu des gens qui sont morts, il y a par exemple Donatien, le Camerounais qui est mort en... Coigne Donatien, que tu connais très bien. Et il y a un autre à qui on a percé les yeux dernièrement en Arabie Saoudite ou Dubaï, il y a quelqu'un, je ne sais pas, un Jules quelque chose. Et donc voilà comment les gens meurent avec de telles choses. 25, le gang qui multipliait les billets. Aéroport du Bourget, 15 mars 1995. Un jet privé tel que celui-ci se pose sur la piste. Les douaniers vont alors fouiller l'appareil. À l'intérieur, ils vont découvrir une étrange cargaison. 44 litres de teinture d'iode, 6 cartons de papier blanc prédécoupés, ainsi que 2 400 000 dollars. Sur un étrange coup de fil, le jet redécolle. À l'intérieur, l'un des escrocs les plus géniaux de la décennie, Donatien Coignet. Comment cet homme s'est enrichi? Ce document des services secrets américains l'explique très simplement. L'escroc a fait fortune en vendant très cher un liquide spécial servant à multiplier les billets de banque. Les victimes, des ministres africains, des présidents et des hauts fonctionnaires qui lui ont confié des millions de dollars. Pour lui, ça a été un petit peu le jackpot. Ça se chiffre en dizaines de millions de dollars. Donatien Coignet est aujourd'hui en prison, mais il a fait des émules. À Paris, d'autres escrocs ont pris le relais. Nous en avons retrouvé et nous leur tendons un piège pour vous montrer le mode opératoire. Rendez-vous est pris dans une chambre d'hôtel. Tout d'abord, l'un d'eux présente du papier blanc découpé au format d'un billet de banque. Ça, c'est ton échantillon, hein. Regarde. Ça coûte cher, ça, la bouteille. Ouais. Ça coûte très cher. Très cher, même. L'homme enduit ensuite le papier d'un liquide noir, c'est le soi-disant liquide magique. En réalité, c'est un acide banal, très bon marché. Deuxième étape, notre escroc superpose le bout de papier enduit de liquide sur un billet de 500 francs et plonge le tout dans un seau. Ce qu'ignore la victime, c'est qu'un autre vrai billet de 500 est déjà placé à l'intérieur. 30 minutes plus tard, le bout de papier s'est transformé comme par magie en un réel billet de 500 francs. En réalité, le papier s'est dissous avec l'acide alors que les billets, eux, résistent au liquide. Nos escrocs prélèvent les deux billets, la démonstration est faite. Ils veulent refaire l'opération avec 100 000 francs. Non, on peut les repasser un petit peu. 100 000 minimum. Normalement, il faut avoir 100 000. Mais nous abandonnons, nous ne reverrons plus nos hommes. Pour les victimes de cette arnaque, difficile de porter plainte. Difficile en effet d'avouer à des policiers que vous voulez dupliquer des billets de banque.
Elle s'appelait Jeanne Magloire Mengem Kouagné. Elle avait 37 ans et elle a été retrouvée morte cette nuit à son domicile, la gorge tranchée par ses bourreaux qui manifestement n'étaient pas des voleurs. Ce matin, la gendarmerie s'est rendue sur les lieux du crime pour une enquête qui pourrait s'avérer longue. Selon quelques indiscrétions, il s'agit de la quatrième personne qui est ainsi assassinée dans le quartier en l'espace de quelques mois. Ibrahim Chérif. Ils se sont réveillés ce lundi avec la nouvelle macabre de l'assassinat de Dame Mengwen Kouagné dans cette villa du quartier Ngousso à Yaoundé. Du sang et du sang partout, résultat de ce que la victime aurait été égorgée par ses bourreaux. Les proches n'en reviennent pas encore. Explication plutôt prudente. On se rend compte qu'il a plusieurs, pour le remettre de maison, à plusieurs versions. Puisqu'il y a un des gardiens voilà, à qui il a déclaré qu'il y a eu un meurtre à 20h. Monsieur est venu ici à 20h30, ils sont venus, c'est le monsieur qui est rentré pour voir le corps de sa patronne à lui, parce que lui n'a pas vu le corps depuis jusqu'à maintenant, il va passer à côté du corps. Donc vous voyez, il y a trop de déclarations controverses. Vous avez vu le sang, on l'a égorgé. Dans le quartier, on l'appelait princesse, avec une réputation de générosité, garantissant une forte popularité. Dès qu'elle est arrivée au quartier, elle a tenu à rencontrer toutes les catégories, justement, n'est-ce pas, des habitants, aussi bien les parents, les jeunes que les enfants, et encourager pratiquement toutes les initiatives, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas, du quartier. Selon les informations recueillies sur place, Mengwen Kouagné aurait dîné entre 17 et 19 heures avec des amis qu'on n'arrive toujours pas à localiser. La gendarmerie qui est descendue sur les lieux a, pour dire le moins, du pain sur la planche. Bon à savoir, la victime, âgée de 37 ans, est la sœur d'un certain Donatien Kouagné, dont le nom fit couler beaucoup d'encre de salive il y a quelques années au Cameroun. L'enquête de la gendarmerie se poursuit et on espère de rapides éclairages sur cet assassinat. Stop Sida, tenir... Donc nous vous lançons un appel, Jésus peut vous délivrer. Et il y a même certains parmi vous qui nous suivez, qui êtes encore dans cet endroit, dans ces choses, mais vous ne savez pas comment sortir parce que vous avez peur d'être tué par vos confrères. Et il y a des choses intéressantes, donc essayons un peu d'évoluer, faisons une transition. Donc ça c'est comment tu as été exposé au monde du brigandage, de la criminalité en bande organisée. Mmh. Ok. Tout a commencé, comme j'expliquais, dans la rue. Déjà, dans une maison où les parents ne sont pas chrétiens. Satan, que nous savons très bien, qui est un opportuniste, c'est comme ça qu'il saisit l'occasion. Ouais. Nous n'ignorons pas ses desseins, qui n'est que détruit, dérobé, égorgé. Égorgé, Jean chapitre 17. Voilà, il vient détruit. Ouais. Alors, voilà comment j'ai été exposé au point où maintenant, c'est un monde. Plus tu prends goût, plus tu dois grandir. Ouais. Comme tu parlais tout à l'heure d'escroquerie internationale. Pour arriver à ce niveau, tout commence déjà d'abord, comme je le faisais. Ouais. L'agression, vol, des taxages aux prostituées. Ouais. Voilà. Pour finir, je me retrouve parce que quand tu es dedans, tu sens que tu n'as pas de sécurité. Parce qu'entre nous, on savait très bien qu'on pouvait se faire tuer par la population. Vous étiez conscient que vous pouvez se faire tuer. Lâcher, voilà. Voilà. Et maintenant, la seule sécurité qui pouvait nous garantir, c'était d'avoir l'arme. Comme l'arme, voilà, avoir est difficile. Voilà déjà la pensée que chacun de nous pouvait avoir. Et pendant que vous suivez ce témoignage, j'aimerais faire un autre témoignage, à savoir que aujourd'hui où je vous parle, Martin est berger d'une église de maison. L'église se tient dans la maison de Martin à Douala. Martin aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, un évangéliste qui prêche la parole de Dieu. Et donc, regardez quelqu'un qui part de la criminalité en bande organisée, la criminalité en bande organisée, à prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, parlez-moi de la grâce de Dieu. Voilà la parfaite illustration de la grâce de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je dis Alléluia, je dis gloire à Dieu de quelqu'un aujourd'hui qui était presque mort, qui était éloigné de Dieu par ses œuvres. Mais aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est un prédicateur, c'est un disciple de Jésus-Christ qui prêche l'évangile de Jésus-Christ.
C'est merveilleux, mes frères et sœurs. La joie. Et l'une, c'est pour ça que je dis, l'une des choses à faire à Yaoundé durant ce jour, c'était ce témoignage. Donc, continue. Ok. Donc, quand nous avons eu dans ce projet d'avoir, il fallait maintenant chercher à côtoyer les plus anciens qui pouvaient avoir ces matériels. Et tu parles de quel matériel? Les PA, donc les armes même, en fait. Les armes, pistolets. Les pistolets, voilà, les armes à feu. Mmh. Voilà, et... Oh là là, je me souviens de celui que j'ai connu qui était mon meilleur ami aussi à cette époque. Il vit toujours ou bien? Il ne vit plus. Il est mort? Il est mort. Dans quelles circonstances? Toujours dans l'agression, dans le vol. On l'a tué aussi? On l'a tué. Ouais. On l'a tué. Mmh. On l'a tué. Et on l'a tué juste déjà après ma conversion. On se voyait. Je ne cessais de lui dire. Donc on l'a tué donc après ta conversion. Il est mort dernièrement. Donc il est mort dernièrement, il y a quelques mois. Ça doit faire un an ou un an. Un an. Donc il est mort après que tu sois converti. Ouais. Et tu as essayé de lui prêcher la parole de Dieu. La nuit même qu'il est mort. La nuit qu'il est mort. On était ensemble. La nuit qu'il est mort, tu lui prêchais la parole de Dieu. On était même ensemble. Et il n'a pas voulu t'écouter. On était ensemble. La nuit où il est mort. Mmh. Alors le but, ce que lui voulait. Il voulait que je lui donne mes armes parce que lui, sortant de la prison, n'avait plus de ses armes. La prison de Douala ? Oui, de Yaoundé. De Yaoundé. Il sortait fraîchement de la prison. On s'est vu, j'étais content. Je suis venu même jusqu'ici à Yaoundé. Pour le rencontrer et pour lui prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je lui ai donné la parole, vraiment. Et je ne cessais de lui dire. L'amour de l'argent va nous conduire à la mort. Tout à fait, l'amour de l'argent. Si, si nous persévérons, si nous persistons. Ouais. Alors, je me rappelle, je lui ai quand même donné même un peu d'argent ce jour. Mm-hmm. Et plus tard, maintenant, il est venu à Douala. Je profite déjà d'abord pour ce témoignage. Mm-hmm. Pour déjà vous dire bien, bien-aimés, vous qui nous suivez, qu'il y a un piège. Mm-hmm. Il y a un piège entre celui qui obéit à Dieu et celui qui n'obéit pas encore à Dieu. Mm-hmm. Que ça soit ton mari, que ça soit ta maman, que ça soit ton père, ton patron, qui que ce soit, à côté de toi, peut être un piège pour toi. Mm-hmm. Parce que l'ennemi, nous avons le cas dans 2 Chroniques, chapitre 18, entre le roi Josaphat et Akab. Akab, bien. Voilà, mm-hmm. Qui étaient tous du peuple de Dieu. Mais l'autre obéissait, l'autre était rebelle à Dieu. Mm-hmm. Dieu aimait Josaphat. Mais nous avons vu comment Satan a utilisé Akab pour se dresser dans la rébellion. Mm-hmm. Voilà donc mon ami, malgré ma conversion, il est venu à Douala. J'étais toujours tenté à revenir, tant bien qu'on se voyait tout le temps. Tout ce que je lui disais, il disait, c'est vrai, je vais arrêter, mais il faut que je me positionne une bonne fois pour toutes. Mm-hmm. Je vais arrêter Mandela. Comment m'appelait Mandela? Mm-hmm. Donc, c'est ton surnom, Mandela. Qui est devenu mon nom. Qui est devenu ton nom, voilà. Qui est devenu mon nom. Mm-hmm. Alors, il me dit, je vais arrêter, mais tes deux PA que tu as là, donne-moi ça, Il te dit qu'il va arrêter. Il va arrêter, mais demande tes pistolets. Voilà, pour le faire, pour une bonne fois. Et en passant, nous allons vous montrer comment Martin, on va vous montrer comment Martin, en train de brûler ses armes, en train de brûler et rendre grâce à Dieu pour mettre fin définitivement à sa vie passée. Le feu, et il y a un principe de purification du feu. C'est-à-dire que vraiment, à travers le feu... Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah,
victoire, hein, que ça c'est une victoire sur les murs. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang, dans le sang de Jésus-Christ. La victoire dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. La réussite est dans le sang de Jésus, alléluia. La réussite est dans le sang de Jésus. La réussite est dans le sang de Jésus-Christ. La réussite est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès dans le sang de Jésus. Le succès dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Éternel Dieu, notre roi. Papa, je te remercie encore une fois de plus. Je te remercie pour ma délivrance qui continue. Cette délivrance qui me fait courir vers la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne peut te voir, éternel Dieu, notre Dieu. Père, comme je désire te voir, c'est pourquoi je me délie de tout objet, des ténèbres, totalement et entièrement. Autrefois, j'étais si puissant avec ces objets. Avec ces objets, j'étais sûr d'avoir ce que je voulais. Mère Seigneur, je te remercie. Je te remercie de m'avoir délivré. Et je te remercie également. Je te remercie également de m'avoir délié de tout avec des objets, de tous ces œuvres avec leurs objets. Merci, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci. Merci, merci Père éternel. Amen. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, amen. Alléluia. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen. Oh. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen. Succès en Jésus, alléluia. Succès en Jésus, alléluia. Succès en Jésus, alléluia. Succès en Jésus, amen. C'est dans ça ma sorcellerie que dont qu'on parle. Peut-être, je ne sais pas. Sans que quelqu'un dit qu'il y avait un chakra, peut-être que c'était les dents, les dents. Je savais qu'il y avait des trucs que je n'acceptais pas, tout ce que j'ai fait.
Quand on se met de livre pour la première des choses, c'est son épée qui ramasse Jésus. Il dit maintenant que son arme, c'est l'évangile. Gloire à Dieu. Et c'est par rapport même à sa demande que j'ai pris la peine une fois de brûler, de ne même plus avoir ça à côté de moi. Il me dit, je vais arrêter tes deux PA que tu as là. Donne-moi ça, donne-moi ça. Donc, il te dit qu'il va arrêter. Il va arrêter, mais je lui donne, voilà, pour le faire, pour une bonne fois. Et moi, je voyais toujours un piège. Jusqu'au soir où on était rassis. On l'a appelé devant moi. Il est parti. C'était la fin. Et le jour où il partait, je lui avais dit, fais très attention, je t'ai dit. Et c'est le jour où tu le mets en garde. Que je le mettais encore en garde. Qu'il est tué. Oui, à 19h. Et 19. On le lèche. Oui, on le lèche. Et on le lèche. Incroyable. Oh, et s'il avait cette arme, on ne le lynchait pas. Mais comme Dieu sait comment les choses se passent. Effectivement. Parce que, tel qu'on m'a rapporté les faits, le petit même qui était avec lui, il est revenu vers moi. Ouais. Comme beaucoup, tous me respectaient. Il est venu vers moi très tôt le matin. Il me dit, lui-même, ce petit a vu la mort. Il a pu fuir. Ouais. Quand il était question, ils sont allés prendre une voiture, voler une voiture. Et voilà maintenant, à l'immeuble, quelqu'un voyait. Il faut préciser que ce que Martin vient de raconter, le lynchage de ce monsieur, comment il s'appelle encore? Innocent. Voilà, ça se passe après la conversion de Martin. Et avant de donner les circonstances de la conversion de Martin, voyons d'abord dans quel contexte tu t'es retrouvé dans la criminalité de haut niveau, la criminalité internationale. Comment tu es parti de braqueur de quartier à te retrouver dans les pays, à Moscou, dans tous les pays? Ok, tout a commencé, le changement. En effet, je ressentais un changement à partir du moment où, étant veilleur de nuit dans ma vie d'agression, d'impudicité et tout, bon, voilà un jour, en marchant, je ramasse une brochure par terre qui parlait de Dieu. Je lis. Je trouve intéressant. Je ne connaissais pas la Bible. Je suis allé à la maison avec certains versets bibliques qui étaient demandés là. Ça m'a donné l'envie de demander la Bible pour la première fois. Je suis allé demander la Bible. Avec certains petits frères qui s'appellent Tébé. Tébé. Voilà. Que je les aide vraiment à sortir du catholicisme et suivre Jésus-Christ. Ouais. Parce que Jésus n'est pas mort pour lui, pour qu'il appartienne à un corps, à un autre corps. Pour qu'il croit la reine du ciel, qui n'est qu'un démon, qu'on appelle Marie, la Vierge Marie, qui n'est que la reine du ciel. Tout à fait. Ce n'est pas la porte qui va à Dieu. Tout à fait. Il y a une seule porte, un seul chemin qui va à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons en Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels on parle à Dieu, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il est dit à Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne va au Père que par moi. Donc, il n'y a aucun autre chemin. La Vierge Marie, que les gens adorent, qui n'est en réalité que Isis. Ou la déesse Diane, chacun des peuples, les Égyptiens l'appellent Isis. Voilà, la reine du ciel, ce n'est qu'un démon. Et nous sommes justement à côté de Simalen, parce que nous sommes en train de filmer ce documentaire au quartier Oja, à Yaoundé, et à côté de Simalen, dans les années 80, je ne sais pas si c'était en 86, où la soi-disant Vierge Marie sera apparue en Simalen. C'est qu'un démon qui apparaît. Marie n'est pas la porte qui va à Dieu. Marie n'est pas morte pour nos péchés. Marie est enterrée. Elle attend le retour de Jésus-Christ, comme tout le monde. Tout à fait. Ce n'est pas, il n'y a aucun verset. La Bible dit que personne n'est monté au ciel si c'est le Fils de Dieu qui est dans le ciel, Jésus-Christ qui est dans le ciel. En dehors de Jésus-Christ, personne actuellement ne se trouve au ciel. Tous ceux qui sont morts croyant en Jésus-Christ vont attendre le son de la trompette. Amen. Où le Seigneur Jésus reviendra du ciel avec les anges, les milliards d'anges, pour venir réunir l'Église, faire enlever l'Église avec lui dans les cieux.
Donc les morts en Christ, Marie qui est morte en Christ et tous ceux qui sont morts en Christ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra, seront enlevés. Donc voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc tout est parti à partir de ce moment. C'était à l'époque où la musique ivoirienne coupée décalée venait de sortir. Et lorsqu'on écoutait ces musiques et la manière dont ces gars-là faisaient farotage et tout, ça nous a donné l'envie. Et qu'est-ce que le farotage en passant? Le farotage, c'est-à-dire, aujourd'hui, on en trouve même dans les églises où les pasteurs se mettent, les gens font chez le pasteur, c'est-à-dire, quelqu'un dans la joie commence à jouer. Ah oui, tout à fait, on a montré ça dans l'émission de Kodia, le bandit évangélique, voilà, le voyou évangélique ivoirien. Il chante ou il fait des serments diaboliques, voilà, et les gens jettent l'argent. Ah, le farotage, ok, d'accord. Alors, quand on voyait, voilà comment cela nous a attirés, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire sortir du pays. Sortir du pays et aller aussi chez le blanc, parce que là, il y aura plus de facilité. De facilité, mais effectivement. Alors, dans nos pensions, on disait, si nous arrivons là-bas, même si c'est la tête de quelqu'un qu'il faut couper, il faut couper. Donc, vous étiez déterminé à tout faire pour être riche. Voilà, tout faire pour être riche. Incroyable. C'est comme ça, donc... on s'est arrangé, on a pris la route de l'aventure, c'est-à-dire passant par l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, et je me suis arrêté en Mauritanie. Donc tu as quitté le Cameroun par la route? Par la route. Dans les camions, les cars? Cars, là où c'est le camion. Camion, effectivement, jusqu'à arriver au Maroc. Mauritanie. À Mauritanie, voilà. Je me suis arrêté en Mauritanie. C'est en Mauritanie, effectivement, que j'ai connu l'école de la Femania, donc c'est-à-dire une nouvelle branche. Une nouvelle branche du banditisme. Du banditisme. La Femania. La Femania. C'est en Mauritanie que j'ai connu cela. Et comment ça, Mauritanie? La Mauritanie, les morts, enfin les Mauritaniens, est-ce qu'ils font la Femania? Comment non. Tu te retrouves en Mauritanie en train de faire la Femania dans un pays? Parce que la Femania, c'est les Camerounais qui font la Femania. Tout à fait. Alors, comment ça se trouve que tu fais la Femania en Mauritanie? Essaye de nous expliquer. Ok. J'arrive en Mauritanie, à Nouakchott. À la capitale. À la capitale. Alors, la première des choses, il y a un Malien qui nous reçoit, croyant qu'on avait les moyens pour chercher à traverser pour l'Europe. Pourtant, ce n'était pas le cas. On lui dit tout simplement, s'il y a un ghetto, c'est-à-dire un coin où les Camerounais se rassemblent, qu'ils nous conduisent là-bas. Effectivement, il nous a amenés dans le quartier. C'est comme les Belladois, là, au Cameroun. Ouais. Quartier le plus dangereux de Nouakchott. Il nous a amenés, effectivement, les Camerounais avaient un ghetto là-bas. Et dans ce ghetto, quand on dit ghetto, il y a trois chambres séparées dans une cour. Nous étions au moins 40 là-bas. Donc, on pouvait se retrouver même 15 par chambre. 15 par chambre? Dans une petite chambre. Incroyable. Et alors, c'est dans ce ghetto, puisqu'il y a tout un mélange. Des braqueurs, parce que même en Mauritanie, on a fait le braquage. Même en Mauritanie. Oui, avec les machettes. Avec les machettes. Une banque Western Union qui a mal tourné, qui n'avait pas bien marché. Et bon, voilà. Mais tout le monde était sain et sauf. Ouais. Alors, en Mauritanie, dans ce ghetto, il y avait footballeurs, voleurs, Fémin, dont il y avait tout un mélange. Donc, toute personne qui voulait aller en Europe. Oui. Ouais. Et alors, quand je suis arrivé, les Fémin qui étaient là ont apprécié mon courage. Je vais revenir déjà, Georges, pour dire, quand j'étais plus petit, les gens avaient l'habitude de me dire, j'ai un don. Aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose que Satan avait mis en moi. Avait mis en toi, effectivement. Voilà. C'était pas un les don. Gens disaient que j'avais un don. Le don que les gens appréciaient, c'est que depuis mon jeune âge, enfance, depuis l'enfance, je pouvais parler et tout le monde pouvait croire facilement à ce que je disais. Ouais. Tout le monde pouvait croire à ce que je disais. Et alors, comme maintenant, je trouve dans ce milieu des Fémin qui déjà prenaient la drogue pour le travail et tout, c'est là qu'ils ont commencé à m'apprécier, dit, mais toi, tu as un courage pas possible. Toi, tu n'as même pas besoin de prendre la drogue, fumer quoi que ce soit. Donc ils ont commencé à faire des prophéties comme ça. Ouais. Tu seras.
C'est comme ça maintenant. L'hypocrisie dans le sens du mal. Du mal, donc voilà, de la fait manière. Comme tu dis, bon, tu retrouves un jeune qui vient à côté de toi, toi qui es un voleur. Ouais. Tu vois son courage, son zèle. Mm. Tu dis, non, toi là, tu seras un grand, tout à fait, un tout grand tout voleur. Tu vas réussir tout à fait dans ça. C'est comme ça qu'il m'appréciait. Mm. Là, effectivement, étant là maintenant, je pouvais déjà être formé, voir comment les choses se passaient. Et je vais bien préciser le nom de ce frère qui m'a formé, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, mais je sais qu'il est toujours fait mal. Je parle à toi tant quoi. Cette vidéo n'est pas, ce témoignage n'est pas pour une gloire. Mais pour moi, c'est une manière que vous voyez Mandela. Que chacun de vous reconnu, toi qui m'as formé dans la Fémania, que tu saches, mon cher frère et ami, que tu es en train de te diriger. Satan est en train de t'aveugler, de te tromper. À quoi sers-tu? À un homme de gagner le monde entier. Le monde entier, c'est, tout c'est bien. C'est personnel. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts dans la même voie que toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cela? Rien du tout. Tant quoi, je te dis, mon cher ami, fais demi-tour. Et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui peut te délivrer. Amen. Donc voilà donc celui qui m'a formé dans la Fémania, qui a été très bon envers moi pendant cette période. Mmh. En me formant, donc, c'est-à-dire quand je dis, bon, il était très généreux. Ouais. Parce que nous sommes arrivés au moment où il venait d'avoir l'argent, donc, c'est-à-dire d'escroquer quelqu'un. Ouais. Voilà. Il a fait, il nous a montré et tout. Voilà comment je me retrouve donc dans la Fémania. Et étant là maintenant, j'essaye de travailler pour avoir de l'argent. Et comme toujours pour le faire, il faut avoir un capital. Et je reviens si jamais dans cette vidéo, si l'opérateur Mauritel et Matel de la Mauritanie peuvent voir cette vidéo, je viens leur demander pardon parce que j'ai été recherché au point où ils ont lancé des annonces à la télévision mauritanienne pour dire, parce que j'avais une habitude, je formais les gars à triquer les cartes de crédit. C'est-à-dire les cartes de recharge, pardon. Oh, Seigneur, merci, téléphonique. Merci, Seigneur, merci. Je merci. Travaillais ces cartes de telle manière que je pouvais prendre une carte de 25 000, je sors l'argent dedans, je retravaille la carte et je m'en vais changer comme si rien n'était pour tromper des gens. Et je me rappelle à l'époque, ils ont lancé des annonces parce qu'ils étaient tellement dépassés. Donc, un mandat d'arrêt ou bien un avis de recherche. Une flatterie parce qu'ils ont essayé de changer de façon, mais je réussissais toujours. Alors, ils ont fini par dire, nous demandons à celui qui fait ça, au lieu de continuer qu'il vienne, nous allons l'embaucher parce que nous comprenons que c'est un expert. Un expert. Un expert qu'il vienne. Et nous allons l'embaucher, on va travailler avec lui. Ouais. Alors, je profite par cette occasion pour lui demander pardon. S'il tombe sur cette vidéo, c'est moi donc celui qu'il cherchait à cette époque. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà un peu ce que je faisais pour truquer, pour me faire un peu d'argent, pour survivre, pour aussi avoir des moyens d'entrer, de m'introduire profondément dans la Fémania. Et avant de continuer sur les moyens pour toi d'introduire ce milieu assez fermé, assez mystérieux, il y a beaucoup de rumeurs qui courent et c'est l'occasion, il y a aussi des pratiques, c'est l'occasion pour toi de mettre la lumière, il y a des pratiques aussi de sorcellerie, de magie pour pouvoir, par exemple, avoir la langue facile. Oui. Et j'ai appris qu'il y a des situations telles que les gens se blindent la langue, non seulement sur la criminalité, mais aussi la sorcellerie. C'est vrai. Et donc, c'est un détail peut-être sur lequel on pourra revenir et lancer un appel aux gens, leur dire de se repentir. Que tout cela est, en fait, comme on a commencé par 1 Timothée chapitre 6, c'est les manifestations du manque de contentement. C'est les manifestations de vouloir s'enrichir à tous les moyens. C'est les manifestations de l'amour du monde. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? On vous donne tous les diamants de la compagnie Beers en Afrique du Sud. On vous donne toute la richesse des Bettencourt en France. Oh, on vous donne toute la richesse des Rothschild, toute la richesse de Rockefeller. Vous serez toujours affamé d'argent parce que la Bible dit « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. »
Et, le grand ecclésiaste, le roi Salomon, le fils de David, disait: voulez-vous courir vers ce qui prend les ailes? La richesse s'envole. La richesse, comme l'aigle, prend des ailes, s'envole. Vous courez vers la fumée, vous courez vers le vent. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si vous avez peu, la Bible dit, mieux vaut une main pleine avec la paix et le sommeil que deux mains pleines avec le trouble. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, quelques-uns en étant possédés. Il y a aussi l'envie, la convoitise, jalouser ce que l'autre a. Tu vois un voisin avec sa nouvelle voiture, tu veux jalouser, tout tu vas envier. Et cela se passe même dans les communautés chrétiennes. Dans les communautés chrétiennes. Voilà, nous étions au niveau où tu es introduit dans la Fémania. Et d'ailleurs, avant cela, tu lançais vraiment un appel à ces responsables de la banque mauritanienne qui avait lancé un avis de recherche, un communiqué, soit un avis de recherche, soit un avis pour que tu les rejoignes. Parce qu'ils étaient stupéfaits par l'expertise que tu avais, mais dans le sens du mal. Et ils voulaient même te recruter pour les aider à peut-être à traquer ces choses. Bon, peut-être que c'est un piège, mais nous rendons grâce à Dieu. Et c'est une bonne démarche. Les gens à qui on a fait du mal par le passé, si on peut se repentir et même restituer ce qu'on a, on leur a pris. Et c'est comme ça le standard. Mais si on ne peut pas le faire, Dieu connaît. Parce que si on a reçu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la faveur de Dieu, nous sommes pardonnés. Et il y a ce grand verset en Proverbe chapitre 28, verset 13, Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Et j'ai toujours dit aux frères, quand quelqu'un qui a été dans le péché, comme Martin et comme moi, vient publiquement témoigner son péché, c'est la preuve, vraiment, voilà une preuve excellente de la délivrance de ce péché. Et la Bible dit: confessez vos péchés les uns aux autres. Voilà un frère qui a le courage pour la gloire de Dieu, pas pour sa propre gloire, pas pour la gloire de Georges, de Jésus-Christ TV, pour la gloire de Dieu, témoigner les mauvaises choses qu'il a faites. Donc, revenons avec l'introduction à ce monde, très brièvement, et des choses qui se passaient. Et voilà. Alors, donc, quand je commence ma première partie de Fémania, c'est vrai, nous étions trois. Et en Mauritanie, cela a réussi. Mais j'ai été doublé par mes compagnons, par mes deux autres compagnons. En fait, c'est ce qui se passe dans ce monde. Et alors, maintenant, il y a un Camerounais, Bruno, et je profite aussi par cette occasion pour lui donner, s'il vit encore, lui demander pardon, parce que j'ai failli le tuer. Bon, on m'a dit, gloire à Dieu, qu'il n'était pas mort. Qui a voulu me livrer à ce militaire qui nous cherchait, ce militaire mort, mauritanien, qui nous cherchait. Il est mort dans quelle circonstance? Non, il n'était pas mort. On m'a dit qu'il n'est pas mort. Dans le militaire. Le militaire, c'est celui que nous avions pris. Ouais. On avait pris son agent. Ouais. Voilà. Et que les deux autres avaient pris. Et prendre l'agent dans quelles circonstances? Bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est la Fémania, en quoi ça consiste. Mm-hmm. Et très brièvement. Bon, pour ce qui s'est passé, c'est l'escroquerie. On peut même déjà appeler ça l'escroquerie. L'amour de l'argent, même des deux côtés. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire. Ça me rappelle, bien-aimé Georges, ce qui se passe même dans nos... Parce que nous tous, moi-même, j'ai été dans des églises de réveil. Les églises de réveil. Voilà, et je peux déjà t'assurer, je t'ai toujours dit que tel que nous voyons des pasteurs aujourd'hui, les pasteurs sont des fémans. Des fémans. Je t'ai toujours dit ça. Alors, avant que tu le continues, voilà une très grande révélation d'un frère qui était un grand féman international qui confirme exactement ce que j'ai toujours dit, à savoir que, en fait, les pasteurs comme les Camden, Dieu ne dort ou Maman ne dort, en fait, c'est un féman. Donc, voilà un frère qui est un ancien féman qui confirme le fait que la manière par laquelle les Camden, Baal ne dort ou Satan ne dort ou le diable ne dort, Camden, Maman ne dort, opère la fémania. Mais la différence, c'est que c'est ils avec... Utilisent...
La Bible. Nous-mêmes, dans certaines circonstances, on utilisait la Bible. Mmh. J'arrive devant le musulman, je lui montre que je suis plus musulman que lui. Mmh. Je tombe des versets, on apprenait même de les sourates. Des sourates. Des sourates. De même comme quand tu arrives devant un chrétien. Tu le montres aussi que tu connais Jésus plus que lui. Ouais. Tu utilises, parce qu'il faut l'amener à croire en confiance. Que tu es, gagner ta confiance. Gagner la confiance. À croire que non, celui-ci ne peut pas et que c'est mon bien qu'il veut. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu peux te passer pour un directeur de banque, ou soit un ministre au Cameroun, ou soit même le fils d'un président de la République. Et donc, il fallait bien soigner votre apparence externe. L'apparence externe, bien sûr. Il fallait louer la limousine, hôtel 5 étoiles, bien sûr, les costards... dernier cri. Dernier cri. Les montres, dernier cri, les gadgets, voilà. Bien aimé, je me souviens, toi, que je t'ai toujours dit que les pasteurs, comme nous voyons aujourd'hui, sont des fémans. Des fémans. Parce que ça, c'est les mêmes tactiques. C'est les mêmes tactiques. Oh, Seigneur. Je le dis, c'est les mêmes tactiques. Oh, Seigneur. C'est-à-dire, l'apparence, soigner son apparence, être toujours vu, paraître. C'est ça, la fémania. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Ça veut dire que tu te passes pour un riche. Que quand tu parles affaire d'argent à celui-là, il te voit, tout ce qu'il a entendu de toi, il te donne facilement. Parce qu'il te voit, il voit comment tu es bien habillé, comment tu... Voilà. Au moment venu, qu'est-ce que tu le fais? Ça peut être, il y a soit par le spirituel qui peut passer tout simplement comme, bon, dans Mauritanie, j'ai commencé par ce qu'on appelle la multiplication des biais. Dans la multiplication des biais. Alors, tu amènes la personne à croire. Et d'ailleurs, parlant de multiplication des biais, nous allons marquer une pause pour vous montrer comment la police italienne a mis sous les verrous. Tout à fait, j'ai vu. A mis sur les verrous les Camerounais qui faisaient la fausse monnaie, la fémania. Donc, nous allons revenir après cet élément que nous allons vous montrer, comment la fémania fait rage à travers le monde, aux États-Unis, surtout en Europe. Et la nouvelle destination, c'est le Moyen-Orient, malgré le fait qu'on a tué certains. Donc, nous marquons une pause avec ce documentaire de la police italienne qui fait un coup de filet, qui met des Camerounais qui pratiquaient la fémania sous les verrous. Il gatto e la volpe c'erano riusciti con Pinocchio, promettendogli un'improbabile moltiplicazione di monete, ma quella era solo una favola. Nella realtà i due astuti compari collodiani hanno preso i volti di un ingegnoso gruppetto di 13 camerunensi, inventori di un improbabile ma quanto pare efficace sistema di duplicazione di banconote che pure nel terzo millennio è riuscito a fare ingenue e soprattutto danarose vittime. Truffe che andavano da 5 a 70.000 euro, banconote vere in cambio di un secchio di acqua sporca e di un mucchietto di inutile carta bagnata. Ad individuare il giochetto la squadra mobile di Padova, partita con le indagini da anomali acquisti di liquidi chimici da parte del gruppetto di africani. Un'operazione di polizia articolata e non a caso chiamata Campo dei Miracoli, che ha alla fine intrecciato i fili investigativi della mobile patavina con quelli tessuti da Moreno Morello in Striscia la Notizia, intorno alla truffa dei moltiplicatori di banconote. Stessi autori, stesse vittime, in un gioco ripetuto almeno 28 volte e i danni ormai solo di stranieri. C'è gente che ci crede. È ovvio che il gruppo era molto astuto nell'individuare le vittime, infatti sostanzialmente erano quasi sempre cittadini cinesi o pakistani o bengalesi, proprio perché, diciamo così, evidentemente più facilmente ingannabili. Abili come pochi nel sostituire e soprattutto nel far sparire le vere banconote investite dalle loro vittime in quello che credevano fosse l'affare della loro vita, i 13 prestigiatori della truffa sarebbero riusciti ad intascare, secondo gli inquirenti, non meno di mezzo milione di euro, grazie ad un giochino divenuto ormai collaudata macchina per delinquere. Il merito oggi della squadra mobile è di aver dimostrato che non sono dei truffatori occasionali, ma che c'è un'organizzazione sotto molto articolata che fa degli ingenti profitti. Sono stati bravissimi perché bisogna crederci. Bisogna lavorare a lungo, so che hanno lavorato a lungo, quindi Striscia la Notizia mi ha fatto correre molto, io ho speso un po' di energie, ma merito della squadra mobile che ha ottenuto questi risultati. Voilà, mes frères et sœurs, après dans ce documentaire que vous avez vu, vraiment c'est des choses terribles, vous avez vous-même vu comment... Les gens perdent leur vie, ils sont... Voilà, des fois, il y a des pays où ils sont même condamnés à mort, des pays où ils vont en prison à vie. Alors, il y a un détail tellement important dont nous parlions il y a quelques instants. Comment, selon toi, ayant été dans ce milieu et étant devenu chrétien, non, le faux chrétien que tu n'étais pas le passé,
étant devenu véritablement chrétien, tu as réalisé que, en fait, cette pastèque que nous dansons, quand même maman ne dort, ou quand même Dieu dort, mais c'est quand même pour nous, quand même maman ne dort, Tchala et Somba. Tous ces faux pasteurs qui sont nombreux, Bachiri, les Vincent Kodia, etc. En fait, c'est les fémanes évangéliques. C'est la fémania évangélique. D'ailleurs, il y a un détail que tu nous as raconté au cas où tu n'avais pas pensé à le mentionner. Quand tu allais frapper, en fait, c'est le mot aller frapper, ça veut dire qu'aller commettre un coup. Oui. Il y a des pasteurs qui priaient pour toi, qui faisaient des veillées pour toi. Est-ce qu'on peut commencer par là? Voilà. Bon, je vais déjà revenir parce que je vais appuyer le fait de dire que les pasteurs, comme nous entendons, entre guillemets, dehors, sont des fémans. C'est parce que déjà pour l'apparence, c'est pareil, les mêmes pensées que le fémane que nous avions, l'amour que j'avais. L'amour de l'argent. Oui, il y a déjà l'amour de l'argent, il y a l'apparence. Soyez l'apparence. Et le fait maintenant de présenter à la personne toujours qu'il faut. Voilà le point identique. En fait, tu as que de dresser un parallélisme ou alors une comparaison assez criarde, assez évidente entre ce que les fémanes font et ce que les pasteurs font. En fait, les pasteurs, c'est les fémanes évangéliques. Tout à fait. Alors, les points identiques sont le pasteur nous fait savoir quand tu viens vers lui, tu peux avoir la solution à ton problème. Tu peux s'aimer 100 francs pour gagner 300 francs. Et effectivement, le féman, quand il va vers sa victime, il amène sa victime à croire qu'il faut s'aimer 501 millions d'euros pour gagner 3 millions d'euros. Ouais. Voilà des points identiques. Des points identiques. Voilà des points Outre identiques. Le soin excessif du paraître. Arrête. Vous mettez déjà en confiance. Vous faites croire qu'ils sont prospères, donc ils n'ont pas besoin de votre argent. Tout à fait. Incroyable. Montrer des maisons ou des hôtels que tu avais fichés. Tu as arrangé, tu as mis ton nom au-dessus, comme, alors que c'est pas le tien. Bandit ivoirien Camille Makusso, voilà, qui se donne le nom pompeux et fanfaron de général de Dieu. En fait, il est général de la fémania évangélique. C'est identique. Ils ont besoin de gens comme leurs victimes. C'est pareil. Alors, donc, voilà un peu les points identiques entre donc pour dire, nous ne bavardons pas pour rien. J'ai été féman. Et aujourd'hui, je suis dans la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et je vois aujourd'hui beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Ouais. Alors, je reviens déjà, voilà un peu comment la fémania se passe. Tu amènes la personne, ta victime, à gagner, tu gagnes sa confiance, à gagner ta confiance. Tu le fais déjà croire qu'il va venir, quel qu'en soit le cas, même s'il faut aller vendre sa maison. Il ne perdra, même s'il faut aller, il ne perdra rien. Parce qu'en 3 jours, il aura le triple de ce qu'il vient de déposer. Ouais. Alors, quand il vient avec son argent, tu le fais croire déjà. Il y a des jeux, des petits jeux techniquement qu'il faut faire. Ouais. C'est-à-dire, tu peux arranger peut-être 3 papiers blancs. Il y a même des papiers déjà imagés aujourd'hui. Imagés que tu peux torcher l'ivoire. Et voir les traces de 500 euros. Effectivement, c'est ce qu'on vient de voir dans le petit documentaire. Si. Il voit les traces de 500 euros, il est convaincu, tu le fais peut-être savoir que non, tu travailles à la banque suisse. C'est l'argent. C'est vous de charger pour faire sortir des billets. L'euro est tout. Et je lance un appel à toutes les victimes. Vous qui vous faites avoir par les fémans. Si un féman vient vous dire qu'il peut multiplier votre argent, c'est la fausseté, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est le mensonge. Donc si quelqu'un vient vers vous dire que il peut multiplier votre argent, il peut. Et il y a même des chrétiens qui se font avoir. Donc quelqu'un vous dit, il va multiplier votre argent, donner 1 million, et les pasteurs font la même chose. Quelqu'un dit, donner 300 000, vous donnez 3 millions, c'est la fausseté. Et d'ailleurs, non seulement les fémans sont à reprocher, même le chrétien, mais les victimes, et surtout les chrétiens, sont aussi à reprocher. Parce que le féman escroque les gens, parce qu'il y a quoi? L'amour de l'argent. Et les victimes, toi, chrétien, qui t'es fait avoir par un féman, c'est aussi quoi? L'amour de l'argent. Et voilà, vous êtes victime. Contentez-vous de ce que vous avez.
Vous avez un salaire de 100 000 francs par mois, 100 000 francs CFA par mois, contentez-vous. Vous avez un salaire de 1 000 euros par mois, 1 000 francs suisses par mois, contentez-vous de ce que vous avez. Vous voulez vous enrichir. Vous voulez, et voilà maintenant, en voulant vous enrichir, vous vous retrouvez ruiné. Parce que le Féman, qu'il soit le Féman réel au sens propre du terme, qu'il soit le Féman pasteur évangélique, qui utilise la Bible, il vous dépouille. Il vous dépouille. Ça, c'est intéressant. C'est un grand point que tu viens de soulever, Martin. Alors, étant donc en Mauritanie, ma femme avait Mauritanie avant d'entrer maintenant dans le cadre de l'Europe. Ce garçon qui a voulu me livrer au militaire, la victime, qui était déjà d'ailleurs lui-même costaud, un boxeur très fort, plus fort que moi, un Camerounais. Ouais. Bruno, et je profite par cette occasion, si tu es encore en vie, je profite, Bruno, pour te demander pardon. Parce que, comptant sur sa force, il a voulu me livrer. Alors, je ne pouvais que chercher à me défendre. J'ai pris, ramassé un couteau. Parce que je l'avais promis, je me rappelle, quand il voulait me livrer, je lui ai dit, je vais te tuer. Tu ne connais pas avec qui tu t'amuses. Georges réalise encore les plans de Satan. Mm-hmm. Nous étions en plein, je peux dire, dans le désert, dans le sable. Du côté de Mauritanie. De la Mauritanie. Mm-hmm. Quand il me tirait, qui va m'amener au ghetto, parce que les militaires, là, ils étaient là-bas, espérant qu'ils peuvent nous voir, là. Alors, Bruno a commencé à me tirer. J'ai dit à Bruno... Parce comment que tu tirais comment, physiquement? Oui, il y avait la force. La force. Oui, qui va m'amener, parce qu'on avait eu des antécédents avant. Donc, okay, il y avait déjà des conflits. D'accord. Entre, bon, lui, maintenant, comme il y avait cette occasion, il voulait donc me livrer, me vendre ainsi, comme il était fort et tout. Ouais. Quand on a eu des problèmes, des antécédents, je lui avais dit, je vais te tuer, Bruno. Si tu t'amuses, fais très attention avec moi, je vais te tuer. Alors, ce jour maintenant... Il est venu, il m'a attrapé, il m'a dit, tu m'avais promis la mort il y a 2-3 jours. Maintenant, je vais te livrer. Il a commencé donc à me... Étant très sûr de moi, je disais, Bruno, sois sûr, je t'avais promis la mort. Je vais te tuer si tu continues. Alors, comme je parlais, il a commencé à me donner les coups de poing, je suis tombé. Alors, je reviens pour dire, Bruno, pardonne-moi. C'est comme si on avait mis ce couteau dans le sable qui m'attendait. Étant par terre. Donc, il y avait un couteau que tu trouves par hasard. Je peux dire même de façon miraculeuse. Incroyable. Miraculeuse. Donc, il te traînait pour... Il me traînait pour m'amener, il pouvait, parce qu'il était plus fort que moi. Il était plus fort. C'était un boxeur. Donc, de manière miraculeuse... Comme je l'avais surtout même promis la mort. Voilà. Donc, de manière miraculeuse, il y a un couteau enfui par... Dans le sable. On peut dire par hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans le sable. Alors, lorsque je... Étant assis dans le sable, je vois dans le couteau, je souris. Même comme il m'avait donné le coup de poing, je souris. Je dis, Bruno, souviens-toi que je t'ai promis la mort. C'est comme ça que je faisais. Étant assis, je t'ai promis la mort et je vais te tuer. Avant de me retourner, j'ai ramassé le couteau. C'est déplorable, Georges. J'ai commencé à le tuer partout. Le gars fuyait, je le suivais. J'étais comme un boucher. Et j'imagine que c'était même pas... C'était... démoniaque, parce que c'était comme un démon en toi qui avait une potion. Parce que même avec ce côté, il pouvait te dominer. Mais voilà. C'était même deux. C'était deux. Ils n'ont pas pu. L'autre a essayé. Il a fui. Alors, j'étais comme un boucher. J'avais son sang partout sur moi. Quand il est tombé, il commençait à crier au secours. La population me suivait. J'avais le sang partout. Et tu étais sur le point de demander pardon justement à Bruno dans le cas où il t'écoute. Je viens vraiment par ce message, par cette occasion, te demander pardon pour ce mal de t'avoir blessé. Je suis sûr et certain que tu dois encore avoir plusieurs cicatrices sur toi. Mais je t'en supplie. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que tu connaissais. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et je peux t'assurer que je ne le faisais pas de moi-même. J'étais mort. J'avais une vie sans Dieu. D'ailleurs, tu connais très bien comment on vivait. Donc, je te prie, Bruno, de me pardonner. Et si jamais tu arrives au Cameroun ou si tu es au Cameroun, je te donne mon numéro. C'est le 675-60-0607. Je viendrai jusqu'à toi pour te demander. 675-60-0607. Je viendrai jusqu'à toi encore pour te demander pardon. Ok. Et pour lui prêcher
la repentance, de sortir de cet endroit. Voilà, parce que vraiment c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Sortez de cet endroit. Contentez-vous de ce que vous avez. Mieux vaut aller pousser la brouette au marché central, au marché de New Bell, je sais pas si c'est à New Bell. Mieux vaut aller pousser la brouette et avoir 500 francs, 1000 francs à la fin de la journée que d'avoir 1 million chaque jour avec le trouble. D'ailleurs, il n'y a même pas la paix. Vous êtes sur le qui-vive pensant qu'on va... Après, vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas la paix avec cet argent. Tout à fait. Donc, ça c'est... On peut dire que ça c'est la conclusion avec la Mauritanie. La Mauritanie, alors, parce comment... que je fuis de là. Voilà, donc, voilà. Et comment tu arrives en Europe? Alors, pour l'Euro maintenant, je reviens au Cameroun. Je retourne dans le vol des agressions et tout. Je gagne de l'argent ici sur place pour prendre maintenant la route, le chemin de l'Europe pour aller maintenant travailler comme je connaissais, j'étais déjà formé. Mmh. Alors, quand j'arrive en Europe en 2008, plus précisément à Moscou. De là, j'arrive, étant très sûr de moi, je trouve des gars dans une maison et bon, voilà, je dis, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un an à faire sur place. Effectivement, après 6 mois... Est-ce que ces gens qui t'ont hébergé étaient au courant de tes activités oui, à Moscou? Oui. Eux-mêmes, ils étaient dans ces activités? Oui, okay. Ils n'étaient pas. Ceux qui m'ont hébergé n'étaient pas. Okay. Tout au contraire, c'est moi qui viens donc les former, les voilà, faire entrer dans ça. Mmh. Et je viens encore, toujours, par cette vidéo, les dire, demander même déjà encore pardon. Et les dire de sortir, c'est la voie de la mort. Pour leur avoir enseigné la voie de la mort. Voilà, pour leur avoir enseigné la voie de la mort. Et pour les demander de fuir. De fuir, voilà, tout à fait. Alors, c'est par là que j'ai commencé en Europe. Chaque fois, je pouvais prendre une victime et venir au Cameroun. Quand je revenais au Cameroun, j'étais le président. Tout le monde m'enviait, grosse voiture. J'étais OK. Mais jusque-là, j'étais quand même malheureux. Ouais. J'avais, chaque fois quand je prenais une victime, c'est comme s'il y avait deux forces. Parce que je sais qu'il y a des amis dans ce monde qui se souviendront que quand on se rassemblait, je leur disais toujours, j'ai peur de mourir dans cette voie. Mmh. Et je leur disais toujours, nous ne devons pas le faire, nous ne devons pas voler jusqu'à la tombe, c'est très dangereux parce que nous aurons tout ce compte à rendre à Dieu. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner cela. Tout à fait. Parce que malgré le fait, tu le faisais. Oui. Mais tu étais conscient qu'en faisant, il y a un salaire qui t'attendait. Qui m'attendait, oui. Je le leur disais même, déjà, je le leur donc disais. Donc tu étais conscient que c'était j'étais pas conscient. Bon. Ce qui faisait que quand j'étais même face à quelqu'un pour prendre son argent, au moment où il déposait l'argent, je pleurais et en même intérieurement, temps, ouais. intérieurement et en même temps, je ne voulais pas laisser. Tu te réjouissais et tu pleurais en même temps. Je pleurais en même temps. Incroyable. Je pleurais en même temps. Nous comprenons... Frère de Saint Christ, qu'en fait, c'est deux forces qui étaient en opposition à lui. Tout à fait. La voix de Dieu l'interpellant à la repentance et la voix du diable qui se réjouissait. Tout à fait. Et voilà, en fait, c'est le principe de la tentation. Tout à fait. Et effectivement, et voilà aujourd'hui, le frère est délivré, affranchi. Et il lance un appel à tous ceux qui sont encore à faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. Donc, quand je reviens au Cameroun pour la première fois, je retourne encore pour le deuxième tour. Toujours les mêmes sensations, le même combat. Je prends donc la décision avec mon partenaire de cette époque. Dis vraiment, ça c'est le dernier tour. Il faut qu'après ceci, vraiment, que j'arrête parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Et quand nous sommes revenus cette fois, j'ai investi ce que j'ai ramené. Mais dans le sens, je dis qu'il fallait arrêter. Genre, c'est que je croyais très bien que j'ai gagné. J'aurais de quoi manger. Je ne peux plus souffrir. Mmh. J'ai inversé tout ce que j'avais ramené dans plein de choses. En moins de 6 mois, tout est allé dans la mer. C'est-à-dire, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tout perdu. Et effectivement, j'ai tout perdu. La Bible parle... des chambres qui se remplissent avec le produit de la rapine, le produit du vol. Mmh. Et il y a un adage du monde, pour nous chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu, mais il y a un adage du monde qui dit « Bien mal acquis ne profite jamais. » Et la Bible confirme aussi cela. Dans la parole de Dieu, il est dit que
quand les chambres se remplissent avec la rapine, avec le vol, avec le faux, la fausseté, ça va s'évanouir comme la fumée. Tout à fait. Donc, quand je reviens donc au Cameroun, cette fois-là, pour investir, je suis allé même jusqu'à rencontrer mon frère et son pasteur, et le pasteur. Je t'ai expliqué, ils étaient sur la moto, moi j'étais dans ma grosse voiture. J'ai vu dans les deux, je me suis arrêté à plein centre, quoi. S'ils sont là, s'ils peuvent voir cette vidéo, ils se souviendront. Je suis sorti de la voiture, allé vers les deux. Mon frère m'a dit, voici le pasteur qui m'a conduit, ainsi mon père spirituel et tout, lui-même étant pasteur et tout. Je me rappelle que ce jour, j'ai dit à ce pasteur, je sais que je suis perdu, je suis un perdu. Je sais que je suis dans la voie de la mort, mais je vous envie. Je veux servir le Seigneur. Priez le Seigneur afin que je sorte dans cette voie, afin qu'il m'enlève. C'est ce que j'avais dit à ce pasteur. Malgré qu'ils étaient sur la moto, tous les deux, et moi j'étais dans une grosse voiture. Voilà ce que j'avais. Mais tu désirais ce qu'ils avaient? Tout à fait. Voilà. Je désirais être, en effet pour moi, je désirais être, c'est-à-dire être quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a peur de Dieu. Et qui a la paix. Oui, voilà, qui a la paix et qui marche comme Dieu demande. C'est pourquoi je leur ai donc prié, malgré que j'étais dans le luxe et que j'avais garé une grosse voiture. C'est intéressant ce que le frère Martin dit. Donc, quand vous voyez, par exemple, vous êtes dans un quartier, vous avez un voisin qui a une grosse voiture, des grosses voitures, une grosse maison, vous ne savez pas que vous qui n'avez rien, vous qui avez par exemple une maison croulante, vous qui n'arrivez pas à manger, ce voisin peut même vous envier parce que vous ne savez pas quelles sont les sources de son argent. Tout à fait. Voilà donc, nous chrétiens, je ne m'adresse pas aux gens du dehors, je m'adresse aux chrétiens, l'envie, Galates chapitre 5, verset 19, nous montre clairement que l'envie fait partie de la multitude des péchés qui vont nous jeter en enfer. Tout péché conduit à la mort et à l'enfer, mais la Bible déclare véritablement que l'envie va nous jeter en enfer. Donc, c'est son envie. Et bien des fois, et voilà une belle illustration de la part du frère Martin, que vous enviez quelqu'un, mais vous ne savez pas qu'en fait, cette personne envie votre simplicité. Vous mangez votre pain sec rassis tous les midis, votre manioc, comme vous dites ici au Cameroun, babalo, rassis tous les midis. La personne a une table remplie de nourriture, mais sans sommeil, sans paix, ou avec des remords, ou avec des troubles dans la tête. Et donc voilà pourquoi le contentement est tellement important pour le chrétien. Amen. Se contenter de ce que vous avez. Amen. Si vous avez à manger, si vous avez un vêtement pour couvrir votre dos, rendez grâce à Dieu. Mais si vous désirez vous enrichir, si vous désirez amasser des richesses, c'est un piège pour votre âme. Oui, voilà, justement, donc, quand je reviens, donc, je commence à parler, j'avais cette envie au point où tout ce que j'avais investi disparaissait. Alors, les mêmes pasteurs priaient, disant, bon, les ennemis, que c'est peut-être les ennemis et tout. Donc, entre-temps, donc il y a des pasteurs qui priaient pour que tu fasses ces choses, les mauvaises choses. Le pasteur qui a fait cela, oui, c'est à mon dernier tour, avant de connaître Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lancer un appel? Oui, ce pasteur, je ne connais même pas déjà son nom. Mais il pourra se reconnaître dans cette vidéo. Je ne connais, oui, voilà, il pourra se reconnaître. Voilà. Alors, il priait pour que tu ailles lors du dernier voyage, c'est le pasteur, en fait, de mon ami qui vit ici à Yaoundé. Et que lors de ce même dernier voyage, parce que j'avais pris la résolution de ne plus faire malgré que j'avais perdu tout. Je n'avais plus rien. Et alors, ce que je disais, c'est que mes pasteurs à Douala priaient, croyant que ça vient d'un ennemi. Tout ce qui se passait. Or, moi, ils étaient conscients de ce que tu faisais. Puisque je leur avais dit déjà que je veux. Donc, c'est là, comme je leur avais déjà dit que oui, je veux, je suis dans le mal. Je veux vraiment servir le Seigneur. Je veux être comme vous. Ouais. Je veux sortir. Et alors, maintenant, pendant ce temps, comme ils m'avaient dit, ok, c'est vrai, Dieu est celui qui pardonne, il faut arrêter. Mais entre-temps, mes choses disparaissaient, tout partait. Au point maintenant, eux, ils revenaient pour prier, plutôt croyant que c'est l'ennemi, en effet, les ennemis ici qui sont en train de... Et entre-temps, pendant qu'ils priaient, Georges, moi, je t'ai préparé. Je disais toujours, Seigneur, donne-moi la force de tenir le désert, parce que je sais, s'il faut revenir dans ta voie, je vais tout... Il y aura une traversée du désert. Du désert, donc, je n'aurai rien. Je vais tout perdre. Pendant qu'il priait, c'est ce que j'avais comme moi-même dans le cœur, ce que je parlais.
Alors, lorsqu'on a fini presque un an, voilà, je persévérais dans le pentecôtisme où mon grand frère était lui-même pasteur. Je persévérais là. Voilà, un matin, mon ami donc qui est ici à Yaoundé, qui a écouté Jésus-Christ pour la première fois avec moi quand on était à Jésus-Christ, l'appartement. Tu parles de... Il a quitté Jésus-Christ TV. Ah, Jésus-Christ TV, ok. À l'appartement en 2012 ou 2013, un truc comme ça, 13 ou 2012 comme ça. Alors, il donc, m'appelle... Ça doit être en 2013, là, parce qu'on a lancé la chaîne en 2013. Oui, c'est en 2013 justement. Alors, il m'appelle, comme lui, il est ici à Yaoundé, c'est quelqu'un qui a réussi dans ces choses et qui est mon aîné de très loin. Alors, il m'a donc appelé parce qu'il connaissait quand même aussi ma force de... En effet, ma force dans ces choses. Ouais. Il m'a appelé un matin, il m'a dit, Mandela, il faut qu'on retourne, il faut qu'on aille au fond, il faut qu'on parte, il faut... Je lui ai dit, moi qui avais pris la décision d'arrêter. Mais ce qui me manquait là maintenant, c'était l'évangile. Il me fallait l'évangile maintenant, qui devait me conduire à la repentance. J'ai donc, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai dit, ok, croyant le chasser, je lui ai dit que je n'ai pas d'argent, parce que pour aller, il faut aussi se préparer. Il a sa part, tu as ta part, vous devez prendre l'hôtel, les appartements et tout. Je lui ai dit, je n'ai même pas 5 francs, même le billet d'avion. Il m'a dit, je te paye le billet d'avion. Incroyable. Il m'a dit, je te paye le billet d'avion. J'ai dit, ok, si tu payes dans le billet d'avion, il n'y a pas de problème, on y va. C'est comme ça. Donc, cela, pour toi, tu pensais que ça devait être le dernier voyage. Le dernier voyage, j'étais déjà rentré. Ah, comme dernier, je suis rentré avec les moyens, voilà. J'ai eu des camions, des semi-remorques, des trucs et tout ça. Donc, j'étais sûr, parce que d'après le business plan, chers auditeurs, d'après le business plan, je devais gagner au moins ce 10 500 000 par mois. Par mois. Donc, le plan que tu d'après avais. D'après mes investissements. Mes investissements, gagner 10 millions par mois. Voilà. Et dans ça, maintenant, je savais que non. Comme en revenant le tout, là, j'avais dit que c'est bon, là, je ne fais pas. Donc, ce voyage devait t'amener 10 millions par mois avec tout ce que tu avais fait, tous les placements que tu avais fait. Oui, que je devais faire, là, que j'avais tout à coup, tout a disparu. Rien. Effectivement. Ça m'a plutôt même encore retiré le peu qui me restait. Qui te restait. Et c'est la raison pour laquelle tu repars. Que celui-là, malgré cela, je suis là. Je n'ai plus de pensée. De penser, à aller. Parce que tu voulais vraiment sortir définitivement voilà. de ce milieu. Donc, il y a une tentation qui t'amène à retourner. Quand l'ami m'appelle, c'est vrai que j'étais déjà dans la guerre. Cet ami m'appelle et quand je parle donc du billet, il dit je t'achète le billet. Effectivement, il prend les référents de mon passeport, il achète le billet ici à Yaoundé parce qu'il est ici. Et on devait voyager d'ici. Pour quel pays? Pour Moscou toujours. Toujours, ok. Alors, donc vous avez des facilités de visa? En effet, moi j'étais déjà habitué parce que j'avais plusieurs visas déjà dans le passeport. Okay. Oui, donc j'avais déjà plusieurs passeports. Ouais. Plusieurs visas. Okay. Alors, c'est comme ça que j'ai donc pris la décision. Je suis venu à Yaoundé. Le soir où on devait voyager, lui-même, étant dans l'église de réveil, pentecôtiste, en effet, une église de réveil, étant même l'un des anciens membres fidèles. Donc, cet homme qui devait voyager avec toi pour aller frapper, c'est-à-dire faire un coup, oui. était un membre actif dans une église évangélique. Oui, en effet, je ne sais pas si c'est évangélique bon, donc, réveille, une église réveillée, voilà, comme on dit, voilà. Est-ce que ces pasteurs là-bas savaient ses activités, tout au courant de ses activités? Là, je ne peux pas savoir, okay, d'accord. Mais je sais quand même qu'il finançait beaucoup là-bas. Parce que lui-même, il me disait comment il portait les 5 millions, il donnait donc, aux pasteurs et tout ça. Voilà comment... Ces églises, en fait, soi-disant églises, surtout celles qui prennent la prospérité, reçoivent l'argent du mal. Il y a des pasteurs, on a vu, et Angèle me rappelait tout à l'heure, avant l'émission, qu'il y a une église où un pasteur donne même de l'huile d'onction aux prostituées pour que les clients viennent. Tout à fait. Il y a des églises où les pasteurs encouragent les fidèles à aller faire du faux, à aller faire la criminalité, à aller braquer, à aller voler, pour ramener les dîmes, l'argent des dîmes. Et c'est le cas du pasteur qui a prié pour vous. Ce soir. Qui a prié ce soir-là. Ce soir. Avant votre voyage. Oui. Qui vous donne ces bénédictions, entre guillemets. En fait, ce n'est pas des bénédictions. Parce que, justement, c'est pourquoi, souviens-toi, bien-aimé, que depuis le début, je dis, les pasteurs que nous voyons aujourd'hui ce sont les Fémans. Alors, ce jeune pasteur vient,
toujours bien sapé. Ouais. Il est venu pour donner sa bénédiction. Nous sommes deux en voyage. Il est venu, il a fait la prière. Il fait la prière, incroyable. Il fait la prière. Il a fait la prière au nom de Jésus-Christ. Accompagné même du parler à langue. Et c'est pourquoi je reviens toujours. Je reviens par ce témoignage pour dire, pour ceux qui me connaissent déjà et que je donne chez autres constamment, comme la plupart des soeurs qui sont à Paris et tout, vous avez toujours compris et en passant, avant que Jésus de continuer, Martin est maintenant membre de Jésus-Christ TV. Martin est membre de Jésus-Christ TV. Et pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons un grand site Facebook et c'est Martin qui répond à tous les emails Facebook. Donc, vous qui pensez peut-être que c'est Georges qui vous répondait, tous les emails que vous envoyez par Facebook, c'est Martin qui, depuis le Cameroun, avec son ordinateur, qui répond à tous les messages Facebook. Donc, voilà le frère Martin qui, aujourd'hui, nous ouvre le cœur. Donc, continue, frère, sur ce que tu voulais dire. Ok, donc, c'est pourquoi je rappelle toujours dans mes exhortations, faisons très attention de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand nous revenons, c'est tous ceux qui se proclament déjà chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Mais une chose est certaine, je sais que Dieu n'accorde pas son Esprit Saint à quelqu'un qui est sale, qui est dans n'importe comment, effectivement. N'importe comment. Alors, voilà ce pasteur qui est venu, il a prié, mais effectivement, le Saint-Esprit qui est en lui n'a pas dit que nous sommes des voleurs, de nous donner la parole, moi qui n'étais même pas, qui ne me sentais pas trop. Voilà. Le Saint-Esprit n'a pas pu lui dire, parle à ses enfants de ne pas y aller, de se repentir. De se repentir. Mais tout au contraire, ça me donne même envie de pleurer. Non, vraiment, non, c'est bon. C'est bon. Avec le nom de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ. Et on nous trouve dur. On dit que Martin est dur. Georges est dur. On est dur parce que quelqu'un va venir, se mettre. Tu vas lui dire, fais très attention. Reviens plutôt vers ton Seigneur. Marche, obéis à sa voix. Parce que c'est dans l'obéissance à sa voix, l'amour que tu as pour lui et l'attachement à lui, c'est de ça que dépend ta vie. Quand tu dis on te trouve Dieu, voilà ce pasteur qui vient. Et je vous assure, pendant qu'il priait, il faisait tout cela, je disais dans le cœur, oh, parce que je n'osais même plus jamais prier Dieu. J'étais conscient. Oui, tout à fait. Mais dans le cœur, ce jour, j'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, regarde un bandit. Regarde donc, un bandit. Malgré le fait que le pasteur. Priait, moi, j'étais dans le cœur, dans le cœur, tu savais que c'est un bandit. Je disais, un bandit, c'est ce que je disais. Et j'appelle ce pasteur-là, s'il me reconnaît, à se repentir. Voilà. À se repentir. Tout à fait. À se repentir. De ne pas laisser l'amour de l'argent le conduire en enfer. Parce que c'est l'amour de l'argent. Il n'est pas différent de celui qui va au fond et qui vole. Et c'est même encore très grave parce que celui qui va voler, c'est qui s'en va voler. Il n'est même pas Dieu dans son vol. Donc, c'est comme ça qu'il a fait dans cette prière, cette nuit. Et nous, ça va voyager. Mais tu es parti sachant que c'est un bandit. Non, bien sûr. Ouais. Vous savez, je ne priais même pas. Dieu t'appelait depuis longtemps, Martin, mais tu résistais. Je ne priais pas. Dieu t'appelait, mais tu résistais. Et c'est donc, vous vous retrouvez là-bas. Et c'est vraiment intéressant, mes frères et sœurs. Oh, j'ai la chair de poule, je suis tremblant en écoutant ce témoignage. Voilà un témoignage de la grandeur de Dieu, comment Dieu peut transformer, changer quelqu'un. Et c'est merveilleux. Alors, vous vous retrouvez là-bas, à Moscou, parce que j'aimerais qu'on évolue sur comment tu es sorti finalement de cet engrenage. Okay. Mais bon, donc, parlons de Moscou et maintenant, comment tu es sorti définitivement de cet engrenage. Et on va conclure ce que tu es devenu aujourd'hui. Amen. Quand nous arrivons à Moscou, je vais déjà rapporter déjà la précision dans la vie des femmes. La vie d'un féman n'a pas de sens. Beaucoup vont se reconnaître. Même le mariage, ça ne tient pas. Les enfants, rien ne les appartient. Beaucoup vont se reconnaître. Ça veut dire que la femme ne t'appartient pas, même les enfants ne t'appartiennent pas. Qu'est-ce que tu entends par là? Comme pour dire, dans ce monde, plus précisément, le féman ne prend la femme qu'avec l'argent. Okay, et il n'a jamais le temps. Il est un voleur. Et c'est comme ça qu'entre nous, c'est le défi. Si tu m'as montré ta femme et qu'elle était jolie, le jour de mon challenge, le jour où j'ai gagné de l'argent, pendant que tu es au front, c'est ta femme que je vais aller chercher. Oh là là. Et comme tout est entré par l'amour de l'argent, elle se laisse emporter. Ouais. Beaucoup se reconnaissent. Il y a beaucoup que je connais qui sont malheureux parce que leur femme les a trompés, les a laissés, a vendu tout, même la maison, allait se réfugier ailleurs. Voilà là où cela... Non seulement ça, la mort, vous n'êtes pas heureux, n'est pas heureux.
Alors, donc, et même vous-même, pendant que vous faites ces choses, il y a une vie d'impuricité, il y a une vie. D'ailleurs, il y a une photo que tu m'avais envoyée, je ne sais pas si on pourra montrer. Oui, je suis nu avec deux femmes blanches. Nu avec deux femmes blanches. Et des fois, il y a une autre vidéo, je ne me rappelle pas, où le matelas est rempli de coupures de 500 euros d'argent. Le matelas est plein d'argent, etc. En fait, et il y a le champagne, le cigare, des boîtes de nuit. Voilà cette vie. C'est une vie en fait, de saleté. C'est cette vie. Ouais. C'est cette vie. Alors, lorsque nous sommes arrivés à Moscou, on sortait comme d'habitude, paraître en veste, on met en effet dans son va. Et au fur et à mesure, on sortait, on a eu un monsieur qui allait être presque une victime. Dieu m'est témoin, ce monsieur qui avait déjà, qui se prononçait à presque 1 million d'euros. Donc, un ancien commissaire de police. 1 million d'euros. Pas 1 million de francs, c'est pas. Non, presque 1 million. 1 million d'euros, 1 million d'euros fait combien? Ça fait environ 600 millions de francs CFA. Voilà. Donc plus d'un demi-milliard de francs CFA. Voilà. Donc un commissaire de police. Un ancien commissaire de police. Donc il avait cet argent. Qui devait vendre, il n'avait même pas, il devait vendre sa maison. Il devait vendre sa maison, oui. Il devait mettre sa maison en gage. En gage. Pas vendre. Mmh. Il avait l'immeuble. Il avait l'immeuble. Plusieurs niveaux. C'est un commissaire de police de Moscou. Un néon blanc. Voilà, donc un russe. Voilà, oui, voilà, oui, voilà, voilà. Donc c'est la nouvelle victime quand nous arrivons. Donc quand vous arrivez, c'est un commissaire de police voilà. À la retraite. Oui, voilà. Russe. Qui que nous avions flanché, okay. Qui était sur ce point. Mmh. Alors lui, sachant que mais, s'il faut mettre sa maison en gage... Et comment vous êtes entré en contact avec ce monsieur? Nous sommes entrés en contact par son fils. Son fils? Oui, son fils, un soir, il nous a porté dans la voiture et directement, j'ai commencé à montrer le pareil, donc que je suis quelque chose. Donc, entrer en communication déjà, vous dit qu'il a dans la voiture un super riche. Quelqu'un qui peut le rendre riche. Ouais. Voilà, c'était un peu comme ça. Et comme maintenant, quand on a parlé, n'étant pas son niveau, tellement très intéressant pour lui, il fallait introduire. Mes frères et sœurs, voilà encore une manifestation de l'amour de l'argent. Un commissaire de police russe en retraite qui a une maison qui coûte déjà un demi-milliard, plus d'un demi-milliard de francs. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Tu as 1 milliard, une maison, qu'est-ce que tu cherches? Et c'est l'amour de l'argent. Qu'est-ce que quelqu'un cherche? Donc, voilà comment quelqu'un, à cause de l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, c'est dangereux. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille Amen. Que d'un riche d'entrer dans le royaume. Amen. L'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Mes frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous avez, vous rendez grâce à Dieu. Vous n'avez pas, vous rendez grâce à Dieu. Regardez donc, voilà un commissaire de police russe qui a retraite, qui a un immeuble, qui a un investissement. En anglais, on va dire asset de plus de 600 millions de francs CFA, plus d'un demi-milliard de francs CFA, mais qui veut toujours beaucoup plus. Et voilà, donc continuez à ce point. Donc, sachant qu'après 3 jours, il pouvait déjà être en possession d'argent. Donc, il était sur le point maintenant de mettre sa maison en gage à la banque, prendre l'argent à la banque pour cela. Mes frères et sœurs, c'est la dernière ligne droite de ce grand témoignage à la gloire de Dieu, comment Dieu a délivré notre frère de la voie de la mort, de la voie de la perdition. Donc, nous étions à l'épisode de Moscou. Évoluons dans la dernière partie. Comment tu en es sorti de cet environnement, de cet engrenage? Donc, en fait... Tu t'étais repenti, tu avais décidé de ne plus aller faire ces choses et l'argent qui en est issu, tu l'as investi et tout a été de manière, on peut dire, mystérieuse, mystérieusement, tout est parti. Mm-hmm. Et malgré le fait que tu avais décidé de ne plus repartir, mm-hmm. tu repars à Moscou. Ce monsieur, ce compagnon, ce complice te paye le billet d'avion. Et d'ailleurs, quand tu as dit qu'il t'a payé le billet d'avion, ce n'était pas les choses de Satan, il ne t'aurait pas payé le billet d'avion. Tout à fait. C'était quelque chose de positif, aller évangéliser, il ne t'aurait pas payé. Tout à fait. Mais comme c'est le mal, l'ennemi voudrait te ramener à ce tout que tu as fait. En fait, Satan a utilisé ce gars pour te payer le billet d'avion. Parce que payer le billet d'avion, qu'est-ce qui est sûr qu'il devait avoir le fruit de son investissement, entre guillemets? Tout à fait. Mais nous voyons, parce qu'il faut avoir le discernement. Quand il te paye l'avion, c'est le diable qui l'utilise pour te payer l'avion, pour te ramener à ce que tu avais vomi. Donc, comment ça s'est passé et comment tu en es sorti de là et au point où tu es devenu ce prédicateur de l'évangile, ce serviteur de Jésus, qu'est-ce que tu es aujourd'hui?
Ok, dans ce temps, comme nous étions là, on a continué face au commissaire de police. Donc, comme je parlais, l'ancien commissaire de police, bon, voilà, pendant qu'il était sur le point d'avancer, c'est-à-dire mettre sa maison, et entre-temps, en même temps, je disais à moi qu'il ne faut pas que ça marche, parce que j'avais pitié de lui. Donc, la pitié est venue. Je le voyais après nous. Après nous, quand il va donner sa maison. Quand il va donner l'argent. Lui qui croit recevoir le triple de cet argent. Après 3 jours pour aller remettre à la banque et être quitté. Donc, en même temps, donc, à l'intérieur de moi, je disais qu'il ne faut pas que ça marche. Mais qu'est-ce qui peut amener un commissaire de police, quelqu'un qui a fait. Qui a été dans la sécurité, dans les services de renseignement, qu'est-ce qui peut amener un commissaire de police à être aussi naïf, à être aussi crédule? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas de la magie derrière? Je n'arrive pas à comprendre un commissaire de police qui est prêt à donner 1 million d'euros dans l'espoir que 3 jours après ou quelques jours après, il aura le triple qu'il va aller remettre à la banque. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être aussi naïf? Bon, revenant surtout dans le sens de la magie. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont dans la spiritualité. Ouais. Voilà. Tu vas voir certains, comme mes partenaires avec qui j'ai marché, quelqu'un pouvait avoir des parfums, des huiles et des trucs attachés à son rein. Comme l'un de mes amis à Moscou, le défunt Tientieu qui était mort, toujours par ça. Et il est mort de suite, il a été aussi lynché, c'est ça? Il est mort en prison. En prison, en prison ou à l'étranger? Là-bas, bien sûr. Et en passant, il y a beaucoup, donc, rappelons que Donatien a été tué, soit égorgé quelque part en Arabie Saoudite. Oui. Il y a un autre là qui produisait même les musiques. On lui a percé les yeux. Il y a d'autres là qui ont coupé les bras. On coupe les bras et donc celui-là est mort en prison au Cameroun ou bien à l'étranger. Non, là-bas, à l'étranger. Oui, dans quel pays? Et à Moscou, en Russie. Donc il est mort dans une prison en Russie. Oui, et je reviens, s'il te plaît, je reviens sur les circonstances de sa mort, ce qui s'est passé. Ouais. Et c'était toujours avant, donc c'était un peu plus avant, pour ne pas dire autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait préparé ce voyage qu'il fallait, il devait aller dans une autre ville. Une ville où il était passé, il y avait peut-être 4 ans où il avait eu de l'argent, là-bas, une grande ville. Alors, ce voyage, comme lui et moi, ne se voyait plus, mais j'étais en visite dans une maison où on s'est rencontrés là-bas. Il était avec une fille camerounaise avec qui il trompait sa femme et tout. Nous sommes arrivés subitement, comme il y avait souvent les discussions entre nous. Je me rappelle ce jour, Georges, je parlais de Jésus-Christ. Ce jour, j'étais en train de leur dire, envions ces enfants qui sortent dans nos maisons pour aller distribuer les papiers au métro, par la vie distribuée, et qui ne gagnent presque rien à la fin de la journée. Ils le font gratuitement. Mais nous, je le disais, nous, on a l'habitude de taper la patrie, on s'appelle les hommes d'affaires. Nous sommes de quels hommes d'affaires? Nous sommes des voleurs. Des voleurs, voilà. Nous sommes des voleurs, des bandits. Mmh. J'envie ces enfants-ci parce que lui, au moins, il est honnête, même comme il ne gagne presque rien là-bas, il vit de ce qu'il gagne. Voilà. Mais qu'est-ce que moi, je fais? Alors, entre-temps, on a commencé la discussion. J'ai donc dit à ce jeune homme, qui était un ami à moi. Et un compère dans Voilà, qui m'avait aussi beaucoup appris, beaucoup de choses. Qui d'ailleurs même était aussi très riche dans cette affaire. Et, appartement à plein Moscou, des maisons partout ici à Yaoundé, tout ça. Donc, mais il est malgré tout ce qu'il a laissé, appartement à Moscou, des maisons ici à Yaoundé, il est mort dans une prison tout à Moscou. Tout à fait. Et il était mon aîné de 2 ans. Donc, s'il vivait, c'est qu'il a 39 ans aujourd'hui. 39 ans. Alors, ce jour, comme on discutait, je lui ai dit tout ce que nous faisons, comme j'avais l'habitude de dire, nous payerons. Vous payerez un jour, faisons très attention. Faisons très attention. Il a payé pas quand je parlais de Jésus, j'aime parler de Jésus, il m'a... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je te rappelle que Jésus-Christ est le premier féman. Il utilisait la spiritualité pour faire les donc, gens... Il blasphème contre le nom du Seigneur. Il a blasphémé ce jour, les mots m'ont manqué. Je dis bien, je n'étais pas encore chrétien. Tu n'étais pas encore chrétien, mais tu étais choqué. J'étais choqué, je ne pouvais plus rien dire.
Et Georges, comme ce jour, il avait déjà, avant que je ne vienne, le voyage était préparé. Ouais. Parce que je parle pour attirer l'attention de ceux qui blasphèment, qui jouent avec le nom de ce puissant sauveur. Alors, il a donc fait cela dans son voyage. Ce voyage qui partait, c'était la mort. C'était la mort. Après, c'est blasphème. Oui, c'était la mort. Il est en train d'aller, il va en voyage. Il a dans son sac presque 1 milliard d'euros en faux billets. Faux billets, un milliard d'euros. Et maintenant, presque 1 milliard de faux billets en 500 euros. 500 euros. Et maintenant, dans ce sac, il avait 6 000 euros en vrais billets. Vrais billets, 6 000 qu'il avait apprêté, c'est-à-dire, quand il arrive à l'aéroport, il sort de l'aéroport. Le taxi qui la pointe, ils étaient deux dans le taxi, alors que généralement, c'est une personne de chauffeur qui est... Il est entré dans le taxi, il a donné l'hôtel, quelque part, ils l'ont agressé, ils ont pris le sac, poussé dehors, il a donc relevé le numéro du taxi et il a oublié totalement qu'il était lui-même un mauvais grain et que dans son sac, il y avait des choses très, très dangereuses. La fausseté. Voilà, il est allé se plaindre à la police, donnant le numéro. Lui qui était très, très rusé dans cette affaire, mais il avait perdu la mémoire. Ce temps, il est allé à la police se plaindre, il a donné le numéro de l'immatriculation, lui a dit, ok, quand nous allons faire des recherches, lorsqu'il y aura là, on vous appelle. On l'a appelé. Il est revenu, c'est ton sac, oui. On a mis le sac. Le policier a enfilé les gants, commencé à sortir. Quand il a vu les faux billets, il a dit, non, c'était pas dans mon sac. Et plus tard, la police scientifique a prouvé avec les empreintes. Les empreintes, voilà. Les faux billets, là, c'est nous, on travaille, donc avec nos mains. Et voilà comment le gars a été conduit en prison où on nous dit tout le temps, il appelait pour dire qu'il souffre, on le sodomise, on le traite, comment, dans quelles circonstances, il est mort. Et lorsqu'il est mort, il est tellement question que son corps rentre dans son pays natal, au Cameroun. J'ai pris le contact avec les autorités de l'ambassade et sa petite sœur ici. Il était question qu'on vende l'un de ses biens, l'une de ses maisons. Sa petite sœur est allée, sa maman, qui était déjà d'abord elle-même une autre et tout, est allée s'opposer. Alors le corps est resté là. Et alors la question que je me pose, tout ce qu'on a cherché, tout cet argent, toutes ces choses qu'on a voitures, ces belles voitures. Tout au contraire, ça servira même à ton ennemi plus tard. Bien sûr. Quand tu ne seras plus. Alors donc, c'était une parenthèse. Revenons au commissaire. Maintenant, avec donc le commissaire, quand l'affaire a vraiment été... Parce que tu priais pour que ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Voilà. Oui. Malgré le fait que tu... Après, je voulais. Tu voulais, tellement j'avais pitié de sa situation, sachant très bien que c'est le mensonge. La retraite, il va perdre sa maison. Il a deux femmes, il a les enfants, il va perdre la maison parce que la maison ne reviendra plus jamais. Alors, devant une telle situation, je priais que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que ça ne marche pas. Je priais parce que c'était tout. Tout ce qu'il avait, sa maison. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aussi, ça n'a pas marché parce que j'étais même la paresse de vraiment foncer. C'est comme ça qu'on rentre dans la maison, on essaye plus. Un soir, la spiritualité, donc cet ami avait cette habitude. Et lui-même, il le disait qu'il a des trucs, il nous avertissait que toi qui marches avec moi, sache que si on arrive quelque part et que c'est mauvais, je peux disparaître. Toi, tu cales, hein? Tu cales parce que lui, il s'était préparé. Tellement comme je marchais avec lui pour la première fois, j'ai un cousin qui est un marabout. Et qui, lui-même, quand je lui ai dit, mais grand frère, le fils à la grande chère de ma mère, je lui ai dit, grand frère, vraiment, je ne sais pas si tu peux. Il a commencé à crier, mais mon petit frère, depuis que j'avais appris que tu es toi-même déjà un international, tu es là, moi, je suis là, j'enrichis les gens. Moi, j'enrichis les Fémans alors que toi, mon sang, tu es là. Donc, non. Ces Fémans vont chez les marabouts. Mais bien sûr. Prendre le pouvoir. Bien sûr, bien comme sûr. Quelqu'un qui. Certains vont au Nigeria se blesser. En la majorité, langue. Bien sûr. Au Boka, ils parlent. Ça marche. Tu crois tout ce qu'il te dit. Tout à fait. La même chose comme des prostituées. Donc, ce cousin te dit qu'il a enrichi d'autres Fémans. Oui, voilà. Alors que moi, je suis là et tout ça. C'est comme ça que quand, une fois, j'étais au Cameroun, je suis allé le voir. Il m'a amené
dans les eaux, il m'a baptisé, il m'a trempé dans l'eau, fait des choses, il m'a donné une clé cardinale pour fermer la sagesse de, ou c'est quoi la pensée, de toutes les victimes, tous ceux dont je peux rencontrer, et il m'a donné cela sous corde, sous forme de corde attachée, et d'avoir des trucs que je devais, et quand je suis rentré, c'était ma première fois quand même, d'essayer ce genre de trucs. Parce que même dans le braquage et tout, j'avais bien des amis dans le braquage qui faisaient. Le diable rouge de Banga était le marabout de feu Yves qui était mort. Tout ça, celui que je disais, on dormait sur le même lit. Donc, je n'avais jamais essayé. D'ailleurs, je n'avais jamais essayé. C'est cette fois-là que je l'ai donc fait. Quand je rentre, depuis que je suis dans la première fois qu'on m'arrête, c'est le jour où j'ai eu des choses sur moi. Ces choses qui étaient censées te protéger. Oui, c'est la première fois qu'on m'arrête dans ces choses. Tout à fait. Et quand, le jour même qu'on venait m'arrêter, j'ai ramassé tout cela, jeté. J'ai jeté tout cela, nous a arrêtés et on nous a laissés. On n'est pas allé en prison. Tout à fait. Ça se passe dans quel pays? Toujours dans un pays en Sibérie. En Sibérie, voilà. Alors, donc, revenant dans Sudan, il y a beaucoup d'effets, c'est la pratique. En effet, c'est comme des prostituées, Georges. L'amour de l'argent nous conduit à cela. Ouais. C'est comme des vendeurs, des commerçants. Ou pour que ça marche, il faut faire des pratiques. Même comme tu vois aujourd'hui des pasteurs, pour qu'il ait beaucoup de fidèles, il faut aller le pouvoir magique. Justement. Chez des prêtres vaudous, acheter des bagues. D'autres même entrent directement en contact avec les sirènes. Tout à fait. De la mer, sur la plage. Tout à fait. Comme ce Nigérien qui est mort. Parce qu'il est entré en contact avec une sirène, mais... à un moment, il y a un des remords voulant sortir de là, on l'a menacé de mort et finalement il est mort par accident de circulation. Nous vous avons montré, d'ailleurs nous vous avons montré une vidéo là dessus, une vidéo qui est disponible sur notre chaîne Jésus-Christ TV. Et je reviens s'il te plaît pour la précision même de ce pasteur là. Il est mort parce qu'il ne s'est pas véritablement repenti. Il n'était pas sérieux dans la repentance. Déjà, il aurait même déjà dû demander aux fidèles, ces gens qu'il trompait par ce pouvoir de la sirène et le super étendant qu'il prononce, il aurait dû donner le nom de cet homme-là. Se confier entièrement. Il n'est pas question que quelqu'un qui revient à Jésus-Christ, le Seigneur permet que l'ennemi touche encore à sa vie. Donc, c'est donc dit à la spiritualité, donc c'était un peu pour dire comment l'amour de l'argent nous amène dans des pratiques. Donc, avec ce commissaire, quand cela n'a pas marché, étant donc à la maison, déjà même celui qui était avec moi avait une voyante ici. Qu'à tout moment, il fallait qu'on l'appelle sa voyante. En même temps, on appelle sa voyante. Donc, il a en même temps le pasteur. Il a en même temps la voyante. Il faut appeler la voyante. On l'appelait lui donc, et il moi. Il a en même temps le pasteur pour le protéger. Entre guillemets. Il a en même temps une voyante. Et moi-même, j'en avais même la femme d'un ami qui est voyante. Que cette période-là, je lui demandais tout le temps de vérifier si ça va marcher. Tout à fait. Autant de choses. Alors, quelques temps après, je restais, je sentais, donc je suscitais, je sentais un besoin. Et ce besoin était Jésus-Christ. Était Jésus-Christ, effectivement. Je sentais vide. J'étais vide. Alors, voilà là où ma conversion a commencé. À l'appartement, ce soir, où je vais m'asseoir, moi qui ne priais plus. Qui ne pouvait pas prier, qui ne pouvait pas parler, non, j'étais conscient. Alors, je vais m'asseoir sur mon laptop, je vais dans Google, je tape Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je voulais lire quelque chose qui concernait savoir qui est Jésus-Christ. Je voulais lire quelque chose concernant le Seigneur. Alors, maintenant, quand j'ai tapé Jésus-Christ, ça m'a donné toute une liste. J'ai vu Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Oui, j'ai vu Jésus. Il y avait beaucoup même de suggestions. Sur Google. Je me suis dirigé, je peux dire, le Seigneur m'a dirigé sur Jésus-Christ TV. Lorsque je t'ai écouté, Georges, je ne t'ai pas écouté 25 minutes, j'étais plein de larmes. Donc, aussitôt que tu as commencé à écouter les enseignements... Non, je ne dis même pas 25 minutes. 25 minutes, tu commences à pleurer. J'étais plein de larmes. Plein de larmes, ok. Oui. J'ai mis pause, regardé la fenêtre comme nous étions au 14e niveau. Surtout là où tu disais... Nous devons vivre chaque jour, comme si c'était la dernière minute, la seconde où le Seigneur Jésus-Christ venait, et surtout aussi la mort. Alors j'ai regardé la
côté de l'Europe. Qu'est-ce que qu'un homme peut chercher dans ce monde? Je ne connais pas, je ne connais combien de temps il me reste à faire dans la chair. Qu'est-ce que je cherche? Je me suis tourné, la première personne que j'appelle, c'est mon ami. Je dis, viens écouter un peu ce message, je ne sais pas. Ça me fait quelque chose, je ne sais pas, toi me viens un peu voir. Il est donc venu écouter. Il me dit, calme, il a fini d'écouter, il me dit, calme, c'est vrai. Il dit, vrai, mais faisons le dernier tour, tu sais que tu n'as plus rien au pays. Faisons le dernier tour, si après le dernier tour, si on arrive, on se donne adieu. Quand il a dit ça, j'étais calme, j'ai accepté. Mais au fur et à mesure que, comme de l'émission à l'époque était tous les soirs, j'étais là. Au fur et à mesure que j'écoutais, mais ça m'a donné l'envie de lire la Bible, d'entrer dans la Bible. Au point où je suis allé lui dire, tu sais, je renonce à ce que tu disais. Qu'est-ce qui te fait croire que ce que nous allons chercher, nous allons manger? Qu'est-ce qui te fait croire que nous allons manger ce que nous pourrons gagner? Non. Je ne suis plus là. Il faut que je rentre. Parce que pour moi, même le fait de dire traîner en Europe, je n'étais pas marié, Georges. Je n'étais pas marié, j'étais libre. J'étais libre. Alors, j'ai même eu la pensée de dire que non, il faut que je sors, je change même de pays européen, je vais moi tranquillement. Là où je peux suivre le Seigneur tranquillement. Mais j'ai compris que même en Europe, là, ça ne valait pas la peine. Moi qui étais encore plein dans l'impudicité, cette vie de grandeur et tout, tout, tout. C'est pourquoi j'ai pris l'appel, j'ai rappelé Georges pour lui dire, comme tu vois là, voilà, voilà, voilà. Et en passant de l'appel que tu m'as donné, ça n'a pas été facile qu'on entre en contact. Oui, parce que tu as appelé plusieurs fois et tu sens comment l'ennemi, il y avait un combat spirituel. Tout à fait. Tu as appelé plusieurs fois et certains appels, je ne voyais même pas. Oui. Je ne voyais pas les appels et finalement, je te laisse continuer. Voilà. Donc, quand nous avions causé, je t'ai dit ce que je pensais. Je pense que j'avais les larmes aux yeux. Tout à fait, je me rappelle effectivement. Tu je t'ai dit, quand tu m'as dit, c'est vrai, s'il faut rentrer, rentre. Si c'est le... En effet, comme tu dis rentre, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu t'en rends compte en Afrique? Cet évangile, les gens n'ont pas. Comment est-ce que tu penses de ceux qui sont en Afrique? Tout à fait. C'est là où dans l'idée des CD et tout ça, jusqu'à ce que j'ai pris la décision. Ce frère, cet ami, est allé voir mon meilleur ami Bruno Tchabda pour lui dire, voilà Martin, j'ai payé son billet, il est venu, et voilà qu'il veut me laisser. Là, il fallait que tu rembourses après, le... Non, il appelait pour que mon ami, mon meilleur ami me flatte. De te convaincre. Que lui, voilà, voilà, me convainc à rester et faire le dernier tour avant. Mon meilleur ami est venu me dire, je dis... Bruno, oui, je te comprends, il t'a dit. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que demain, là, je peux être toujours là? En vie. En vie. Tout à fait. Qu'est-ce qui te fait croire? Mais Bruno, tu me connais. Bruno, tu connais mon courage. Tu connais le cœur que j'ai. Tu connais comment je suis influent ici à Moscou, au milieu des Camerounais. Des Camerounais pervers, de mauvaise vie. Mauvaise vie. Tu connais, Bruno, tu es mon ami, on sort ensemble, on fait des choses ensemble. Tu connais, mais Bruno... Crois-moi, tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'anormal, qui se passe dans ma vie. Ouais. Bruno, quand je lui ai parlé comme ça, il m'a dit, tu as raison moi-même. Donc, c'est comme si ça l'avait réveillé. Donc, ça l'a touché. Et lui, ça l'a touché. Il m'a dit, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Si le Seigneur, si tu as, le Seigneur a touché ton cœur, écoute, rentre. Tu as raison. Et c'est comme ça que je suis rentré au Cameroun et persévérant. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ta lamentation, comment beaucoup de personnes n'écoutent pas, n'arrivent pas à écouter cet évangile en Afrique parce que Internet est encore un luxe. Oui. Et on avait publié une vidéo où, de manière improvisée, de sa propre initiative, tu as mis une de tes voitures à la disposition. Enfin, tu as installé les haut-parleurs dans ta voiture et tu faisais écouter des enseignements, des voilà, radio-trottoir. Et cela nous a tellement touchés. Et plaise à Dieu, et c'est un sujet vraiment de prière, que peut-être que les projets de fibre optique, parce que la fibre optique au Cameroun, il semble que c'est un projet de fibre optique, que Internet soit vraiment démocratisé, que ce ne soit plus un luxe, comme chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Internet, l'eau est plus chère qu'Internet. Internet, c'est maintenant, si vous voulez avoir même une connexion d'entreprise, telle que celle que nous avons pour le studio, c'est abordable. C'est abordable, vraiment abordable. Et en passant, nous avons aussi à cœur de faire diffuser Jésus-Christ TV par Bouquet, Canal
satellite ou canal plus, je ne sais pas comment vous. Donc, pour que les frères et sœurs reçoivent Jésus-Christ dans leur maison, mais gratuitement. Suis comme, donc gratuitement, quelle que soit la compagnie que vous voulez vous abonner. Donc, nous croyons Dieu pour que cela soit fait. Donc, nous tirons vraiment vers la fin de ce témoignage et je ne sais pas s'il y a un dernier mot. En passant, Martin est membre de Jésus-Christ TV aujourd'hui. Il fait partie de Jésus-Christ TV. Et donc, je ne sais pas s'il y a un mot de fin. Et je te laisse parler, conclure selon ton inspiration. Je vais tout simplement, je reviens encore pour demander pardon à tous ceux que j'ai commis du tort. Et si jamais même ceux-là que j'ai pris leur argent, si j'avais prospéré dans cette affaire, je mettrais tous les moyens, même dans les télévisions, pour les retrouver, leur rembourser leur argent. Mais ça n'a pas été le cas. Je viens tout simplement leur demander pardon, qu'ils me pardonnent, celui ou qui que ce soit, que j'ai pris son argent et que j'ai commis du tort. Et je reviens maintenant pour dire à mes amis, que ce soit mes amis, mes connaissants ou ceux qui ne me connaissent pas, leur dire de se repentir, car l'amour de l'argent ne les conduit qu'à la mort. Ça ne donne pas la paix. J'ai la paix, j'ai le cœur apaisé aujourd'hui, parce que je suis libéré. Je n'ai plus cette envie que j'avais par le passé de devenir riche, d'être ceci. Et je suis dans la joie tous les jours. Tout à fait. Donc je viens vous dire, les gars, détournez-vous de ce chemin. Convertissez-vous en Christ Jésus. La Bible nous enseigne qu'il a renfermé tout homme dans la désobéissance afin d'accorder la miséricorde à tous. Le Seigneur, même si tu as tué, il est toujours compatissant. Il a toujours les bras ouverts pour celui qui se tournera, qui le recherche, pour celui qui est prêt à se repentir et se détourner de sa mauvaise voie. Il est toujours prêt à nous accueillir. Donc les gars, soyez sages. C'est Martin qui vous parle. Martin que vous aviez connu. Ce méchant garçon que j'étais. Ce criminel que j'étais. Ce voleur, bandit que j'étais. Me voici. Le Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné. Il m'a libéré. Je suis libre. Et il peut aussi vous rendre libre. Absolument. Satan va vous tromper. Il va vous faire croire que si vous lâchez, tout est fini pour vous. Mais il ment, c'est un menteur. Jésus-Christ est vivant. Il partage sa paix. Si tu veux, il reprendra sa paix sur toi. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Soyez sages. Tournez-vous vers le Seigneur. Regardez le Seigneur Jésus-Christ élevé sur la croix. Il nous a été rappelé qu'au temps de Moïse dans le camp, il fallait, à cause des péchés des enfants d'Israël, Dieu a envoyé le serpent qui les mordait. Brûlant, qui les mordait et ça les tuait. Mais Moïse s'est reparlé. Moïse a demandé pardon à Dieu pour le peuple. Dieu a accordé en disant à Moïse de placer d'élever un serpent des reins. Lorsque quelqu'un mordu va jeter le regard, le regard, il sera guéri. Aujourd'hui, cela préfigurait déjà notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pécheurs, mais il suffit seulement que tu lèves tes yeux vers le Seigneur qui a été élevé sur la croix pour être guéri. Le Seigneur nous délivre de nos péchés. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Sinon, mes frères, mes amis, mes connaissances, cela vous conduira très loin de Dieu. Et il n'y aura plus de pitié, il n'y aura plus de grâce. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Et le frère Martin aussi a eu à cœur de terminer par un cantique. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a un cantique qui... Tout à fait. Pour vraiment, il va chanter sa liberté, sa nouvelle liberté en Christ Jésus. Et je l'entendais fredonner en début d'émission. Et je n'ai pas les paroles, mais je pense qu'on pourra chanter ensemble. Ouais. Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Dans son amour, il m'a tout pardonné.
Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, Jésus m'a libéré. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné dans son amour. Je suis heureux, heureux, car Dieu m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Oui, je suis libre. Dans son amour. Je suis libre. Libre, libre, libre. Libre. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Je suis absolument libre. Libre. Absolument libre. Jésus on n'est plus esclaves du péché. Je suis libre. Libre, libre à jamais. Libre, libre à jamais. Jésus nous a libérés. Dans son amour. Dans son grand amour. Il m'a tout il nous a pardonné. Tout pardonné. Je suis heureux. Heureux. J'appartiens à Jésus. Je suis heureux. 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 J'appartiens à Jésus. Arrête-moi, Satan, et laisse-moi. Nous ne t'appartenons plus. Laisse-moi à mon sauveur. Libre, Jésus m'a libéré. Car je suis libre. Jésus m'a racheté. Je suis libre. Je suis libre. Absolument libre. Libre, absolument libre. Jésus m'a libre. Alléluia. Je suis libre. Absolument libre. Libre, libre Jésus jamais. M'a libéré. Je suis libre. Libre, Jésus m'a libéré. Dans son amour, il m'a tout pardonné. J'ai la joie. Oh, Les chaînes de l'esclavage sont tombées. Les menottes de, de l'esclavage sont tombées. Jésus m'a libéré. Les chaînes de l'esclavage. Je suis libre. Les chaînes du péché libre. Sont tombées. Jésus à jamais, au nom dans de Jésus-Christ. Son amour, il m'a tout pardonné. Je ne mourrai plus. Je ne mourrai jamais. Plus. J'ai la vie éternelle. Plus. La vie éternelle. La seconde mort. Je suis passé de toi. De la mort à la vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Je ne mourrai plus. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. La seconde afin que quiconque croit en lui passé de la mort à la vie. Nous sommes passés à la vie éternelle. Et ma vie, notre vie, ma vie en Dieu est cachée en Jésus-Christ. Et ma vie, notre vie, ma vie en Dieu est cachée en Jésus. Et ma vie en Dieu est cachée en Jésus-Christ. Et ma vie est cachée en Jésus. Et je suis libre. Je suis libre. Libre, absolument libre, Jésus complètement libre, totalement libre, affranchi du péché, Jésus les chaînes libéré, de l'esclavage du péché sont tombées, nous sommes libres, libres, libres. Jésus m'a libéré dans son amour, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux. Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà, mes frères et sœurs, c'était une joie, c'était une allégresse incommensurable. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est par ce grand cantique, mes frères et sœurs, que nous concluons ce grand témoignage
Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Et pour nous accompagner à ce grand article, vous avez la sœur Angèle du côté de France. Elle a fait le déplacement depuis Paris en France pour venir à Yaoundé nous rejoindre. Et il y a d'autres chrétiens qui ont fait le déplacement. Et nous allons donc, avec ces frères et sœurs avec qui nous sommes ici, que nous allons bouger la parole de Dieu à Yaoundé, proclamer la parole de Dieu et éteindre les œuvres de l'adversaire. Donc c'est une joie, c'est une joie. Et nous avons derrière la caméra notre bien-aimé Kurt Schifferle qui est derrière la caméra. Gloire à Dieu. Et voilà, gloire à Dieu pour cela. Et donc c'est un grand privilège, c'est une grande joie. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous approchera. Je vais terminer tout simplement par un mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand témoignage. Merci Seigneur Dieu pour Martin que tu as délivré de la mort, de la voie de la perdition. Seigneur, il n'y a pas de mots pour te remercier, il n'y a pas de mots pour te dire merci pour l'infinie grandeur de la délivrance. Il était perdu, il était mort par ses offenses et par ses péchés, mais tu lui as fait grâce. Seigneur Dieu, sois glorifié, sois magnifié, que la gloire te soit donnée, parce que ceci, c'est la plus grande illustration de comment ta grâce délivre. Oh Seigneur, merci, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ, TV. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.